Merde, j'ai perdu mon chat une nouvelle fois. Vous êtes où? Vous êtes là? Je vais remettre les volets et remettre la lumière artificielle parce qu'on voit rien. Allez, moment frisson. Alors là, je vais gémir et crier, mais pour d'autres raisons. Ah! Sauvegarde réussi. Mais continuez. Ah oui, j'avais une succession d'actions à faire et c'est dommage parce que je me souviens que j'aurais pu sauvegarder si j'avais pas fait l'idiot dès le début en vidant mon chargeur de fusil sur un zombie, sur un seul unique zombie. Parce que finalement, je m'étais pas trop mal démerdé. Mais bien fait pour ma tronche. Bon, moi, ça fait durer le plaisir du jeu. Il est magnifique, il est superbe ce Resident Evil. J'adore. J'adore. J'adore et j'en veux, j'en encore. Je commence à faire la voix de Giscard d'Estaing. Oh, animal. S'il vous plaît. Non, faut que j'arrête. Ah, ça me rappelle les années Thierry le Luron. Mon Dieu, la rigolade. Ah, il était terrible. Hein. Il était terrible. Qu'est-ce qu'il chantait bien en plus? Il avait une formation de contre-ténor, je crois. Non, peut-être pas contre-ténor. Je sais plus les rangs de vocalise quand on a du coffre en opéra. Mais il chantait bien l'opérette, Cyril Luron. Bon, allez, je reviens au jeu. Je crois que j'ai plus de zombies, plus beaucoup. Par contre, j'ai beaucoup de cochonneries. Tant pis, quitte à refaire un tour. Alors, j'ai 6 de chaque type. Classique. Alors là, j'ai les acides en jaune. J'ai les deux feux en rouge. J'en ai pas d'autres. J'ai un magnum aussi. Je crois pas que j'ai. Je crois qu'il y a un Resident Evil qui est pas con, où ils vous mettent coloré dans la barre ascenseur verticale là. Ils vous mettent en coloré comme quoi il y a quelque chose. Et là, comme c'est pas le cas, on est à l'aveugle. Il faut éviter de mettre un truc au milieu de nulle part en fait dans la malle. Sans quoi. Ah, j'ai peut-être un peu beaucoup de flingues. On verra. Quitte à faire des allers-retours, tant pis. Ah, Dragon Sky qui lance son. Dragon Sky, il fait du Harry Potter, là. Pour ceux que ça intéresse. Oui, la poignée de porte est réparée, c'est merveilleux. Barry est le meilleur. Et Barry! Ah, je vais ouvrir cette pièce secrète. Ça mène où? Ah oui, non, c'est la salle au corbeau, ça, je crois. Je vais relire la carte. Mon cerveau est réinitialisé.
Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, j'ai la nouvelle clé. Non, non, faut que je reste dans le manoir. Il faut que j'ouvre toutes les portes que j'ai pas ouvertes jusqu'alors. Et il y en a une tripotée. Il y en a une tripotée des portes pas ouvertes. Ah! Putain, j'ai peur! Oh, le cri de con! Pardon! Oh, ça commence! J'étais pas prêt! Oh la vache! Comment qu'il m'a crié dans la tronche! Ah, c'est là! Bah, tiens, non, merde, j'ai rangé au fond du meuble, vous savez, ma montre cardiaque là, podomètre. Voilà, exactement! C'est ça. T'as tout résumé là, Jed. C'est ce qui vient de se produire. Merde, je vois la tête du mec renversée, ça va me déranger. Ah non, vous êtes fou. Allez, foufou. Ah, bon. Mais non, mais... Oh, non, là, je suis un... un idiot. Je reprends la même porte dans l'autre sens. Faut que j'arrête. On se concentre, mais c'est magnifique, hein, les décors, franchement. À chaque fois, je gagate. À chaque fois, je repasse devant. Oui, c'est pas une bonne idée. Merde, je suis à poil. Attends, j'ai pas pris d'arme. Je n'ai pas pris d'arme. C'est vrai que passer par là, c'est pas très malin. Je vais peut-être faire le tour du... Peut-être pas très malin de passer par ce couloir, hein. En plus, vu ce qu'il apporte... j'ai déjà une salle en haut à faire. J'avais démarré par là, d'ailleurs, précédemment. Zen. On se détend les chakras. Ah oui! La Trueno Toyota, je vois même plus à quoi elle ressemble. Oh non! J'avais pas fait la plante? Oui, j'avais déjà lu, hein. Je zappe, je me permets de zapper parce que j'avais lu. C'est George Trevor, l'architecte du manoir, qui s'est fait en papaouté et qui crève comme un caca. J'avais lu l'épisode précédent, hein. Vous rembobinez, je vais pas. Document déjà lu, hein, zou. Je m'en souviens encore. Oh, elle est magnifique. Oh merde. Attends, en zigouillant son abdomen, j'espère qu'elle avait pas de petits. J'ai peur qu'elle ait des spasmes de... d'avoir des petits. J'espère pas. Oh la vache. Voilà. Eh ben, on a désinfecté la zone. On a désinfecté. Oui, 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 autant prendre toutes les cartes. Oui, là où je suis, c'est pas... Je suis d'accord. C'est pas exploré, je fais du caca. Mais je désinfecte. Oui, mais avec joie. Prends les munitions de fusil. Il y a une mue d'araignée dans la boîte en carton. Ah. Au moins, l'araignée est propre sur elle. Elle a délicatement... plié, vous savez, sa mue dissimulée dans le carton pour pas se faire repérer.
Alors j'ai le son, mais j'ai pas l'image. C'est quoi qui arrive sur moi? Ah, c'est un zombie. Alors attendez, le zombie, le traitement peut être différent. Fusil, ça peut être drôle. J'ai peur de m'avancer parce que si je fais une embrassade aux zombies qui me chopent, évidemment, voilà. La patience paie. Allez, approche-toi. Tu vas adorer mon fusil. Au suivant. T'es bon? Ah oui, il faut rétablir le courant. C'est vrai. Oui, oui, oui. Oui, remets les plombs. Ouais. Très bonne chose. Sur la carte, je suis obligé de repasser par ici ou pas? Très probablement. Je peux avoir l'ascenseur qui donne sur le coup de la cuisine là. Ouais, il faudrait que j'aille déverrouiller la porte. Attendez. Je suis dans la bonne direction ou pas? Non, j'ai pas pris la bonne intersection. Demi-tour, là. Il faut que j'ouvre la porte qui donne sur la cuisine. Voilà, j'ai déverrouillé la porte. On va pas la franchir, je m'en moque. Mais juste l'avoir déverrouillée est un énorme avantage stratégique. Donc on a fait, on n'y revient plus. Ça, on a fait le disjoncteur. Est-ce que je m'encombre des plantes? Si je peux éviter de passer par là, parce que les zombies risquent de se réveiller. J'ai pas pris le briquet pour les flamber, donc s'ils redeviennent ce qu'on appelle des cramoisis, ils vont être infernaux. De facto, j'ai déverrouillé l'accès à la cuisine. Mais non, mais non, mais non, mais je suis obligé de ressortir par la cuisine. C'est le piège pour le... Je peux pas revenir, mais oui. Alors, je crois qu'il y avait une corde à l'époque, non? Tiens, est-ce que ça, la scène se passe avec Barry? Parce que je crois que dans le tout premier, elle demande à Barry d'aller lui chercher une corde. Et là, non. Ce qui est évidemment beaucoup plus angoissant. Ah... Mais c'est rigolo, j'ai des réminiscences de la toute première version. C'est pas pour me déplaire.
Je finis même par me demander si c'est utile de zigouiller les araignées. Parce que si tu fais bien le job, en fait, t'as plus besoin de revenir. J'ai peut-être, entre guillemets, potentiellement gâché des munitions, j'ai failli dire des émotions. Ouais, prends voir l'ascenseur. Non, il y a de la marge. Il y a de la marge. Normalement, il y a du rab. Je crois qu'en gros, il y a plus 20-25% de munitions par rapport au monstre affronté. Il y a... Et peut-être même plus d'ailleurs, je connais pas les ratios, les quotas. C'est intéressant de poser la question aux grands fans qui font 15 fois le même jeu là. Oh merde. Y'a quoi au bout? Je sais plus. Un rouleau de parchemin comme on en trouve en Asie accroché au mur. Cependant, l'image est de style occidental. Oui, bon, bref. Elle est belle la mythe papillon de nuit là. Enfin, c'est plus un papillon de nuit qu'autre chose. Krisha, que va venir faire un bisou? Vu comme ça, ça devient drôle. Ah merde, c'est vrai que j'ai déjà des plantes sur moi. Est-ce que je prends le risque de faire un super remède? Non, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'en fonction de la situation dans laquelle je me trouve... Eh oh! Déguste de ma chevrotine. Vilain. Oui, j'avais pas accès à cette pièce, je crois. Ah merde. Merde, la batterie. Oui, je suis en papaouté. Je vais être obligé de revenir. Évidemment, je peux pas la prendre maintenant, ça va pas. Je vais pas faire la combinaison de plantes. Je préfère déposer, quitte à faire un aller-retour, on s'en fout. Et avoir, voilà. Vous avez des bruits de bordel. Tant mieux. Je serai récompensé, je le sais. Je suis où dans le manoir? Je sais plus. Il est tellement, il est tellement immense. Il est tellement immense qu'il me rappelle que je suis pas si loin de ça d'un truc de sauvegarde d'ailleurs. J'ai une porte à déverrouiller. Ne cours pas. Voilà, fais dodo, zombie méchant. Attends, je suis perdu. C'est pas ce que j'ai lu dans la carte. Non, ne cours pas. Non, c'est là-dedans que j'aurai accès à la porte que j'ai pas déverrouillée. Oh mon dieu, je fais peur avec la perruque de bon en arrière. Je crois qu'il y a un super zombie là où j'étais. Ah oui! Oui, ça j'avais bien aimé. J'avais bien aimé, c'était un truc de réflexe logique, pas trop compliqué. Et c'est pas le moment puisque j'ai l'inventaire plein.
Oui, joie! Oh là là, merveilleux ce jeu, merveilleux. Pourquoi ai-je fait ça? J'aurais dû avoir le courage de... Est-ce que je suis proche d'une salle de sauvegarde en passant par là? Il faut que je descende l'escalier. Je vais pouvoir me vider les poches et repasser, récolter ce que je dois récolter. Tout doux, c'est ça. Prudemment, on n'excite personne. Honnêtement, je crois que ça paie hein, d'être posé, calme. Tellement de choses. La manivelle, j'en avoir besoin assez rapidement. Merde. Oui, non, attends. Je veux intervertir le... Ouais. Le bouquin, c'est le coup de la plante. Est-ce que j'en ai besoin? Je recogite. Oh non! Il faut refaire les mélanges avec le... Je sais plus. J'avais pas sauvegardé après avoir fait des mélanges des lotions UMB machin là. Non, j'ai dû sauvegarder que j'ai pas à me le recoltiner. Me connaissant, non. Une fois ça va, pas deux. L'énigme et les gentillettes, mais c'est comme le truc des horloges dans. J'ai dit dans Mathusalem. Dans Final Fantasy, ça te. Oh. Allez, on prend son courage à deux mains, on réfléchit bien et on y va. Non, il faut que je rapatrie les objets. Le coup de la batterie, machin, elle est pas loin. Si je fais pas l'idiot, vraiment. Allez hop. La batterie pour la cour extérieure. Il y avait des plantes, éventuellement à prendre. Je me souviens, la tête de tigre, le truc jaune, le disque MMO. Alors, il fallait faire beaucoup de choses. Il fallait faire beaucoup de choses. C'est une fois que j'ai mis en place les meubles qu'il va falloir que je m'amuse à guaquer le. Attends, il y a un truc, je m'en souvenais pas, tiens. Ah, c'est gentil! Surtout que je crois que c'est celle dont j'ai équipé le truc. Donc au moins ce sera. Merde au moins. Il y a un document là. Mais oui, il y a un document. Email au responsable de la sécurité. Ah oui, c'est horrible! C'est les ordres de charcuter les stars dans le manoir, oui, c'est vrai. Si, je l'avais lu, souvenez-vous-en à l'épisode précédent.
Alors, attends, pousser un petit peu le truc. Voilà. Il faut que je sois sous les magnifiques trophées. Alors, je rejouerai un autre dimanche à l'appel de la nature, la Call of the Wild The Hunter, le simulateur de chasse qui est excellent. Mais ce week-end, j'avais pas envie. C'est pas grave, ça reviendra. Comme je vous dis, je vais essayer de faire tourner les jeux et puis il faudrait que j'essaye de. Pourquoi je vois un truc briller? Il faudrait que j'essaye de. Il me regarde pas. Un joyau incrusté dans l'œil, je peux le retirer. Ah ah. Bah ouais, tu m'étonnes. Pidu, monsieur l'aigle. Vous êtes trop mou. Non! Menace. Trop tard. Trop tard. Oui, mais oui. Non, mais là, il est attaché. Bah oui, il m'a vu, l'aigle. J'ai poussé le meuble au lieu de monter dessus. Ouh, je suis là, nunuche. Nya, 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 nya. Attends, je le fais mal. Ah, pas de boogie boogie avant vos prières de soir. Même l'aigle, il devient fou. C'est rigolo. Bon, allez, Henry à part, Zou, vite. Épreuve de réflexe. Hop, hop, hop. Hop là. Voilà, il y a un joyau creusé dans l'œil. Le retirer, oui. Et le jaune va nous servir pour la tête de tigrou. Dans la petite pièce, le petit tigrou qui... Mais pourquoi ça brille, en fait? Ah, c'est dire que c'est la caméra, peut-être. Au pire, si je suis dans le doute, je reviendrai, puis je... J'arrache tout. D'ailleurs, si je reviens, est-ce que les meubles reprennent leur position initiale? Théoriquement, oui. Enfin, pas la lumière, en tout cas. Alors attends, je vais peut-être pouvoir jouer avec le truc qui... Mais je pense que ça voulait dire caméra. Le truc qui brille sur l'aigle. Je pense pas que l'aigle, je puisse lui faire quelque chose. Attends, vas-y voir que j'essaye. Je sais plus. Est-ce que je peux lui faire un truc à l'aigle? Non. Non, apparemment. On rallume, je rebouge l'autre meuble. Voilà, là on voit que ça brille pour le. Mais je pense que ça veut dire c'est la caméra, non? Je sais pas, vérifier. C'est vrai que c'est pas du sursur. Attends, est-ce que je suis au bon niveau? Pas convaincu. Merde! Mais non! Je suis toujours si nul. Non, je suis au max. Est-ce qu'il faut éteindre la lumière pour pouvoir s'en saisir? Et que ça brille dans l'obscurité? Présume que ça veut juste dire qu'il y a... Ah non, attends, c'est peut-être là-bas, alors. Ah, merde! C'était contre le mur, d'accord. Ouais, c'est bon, on en a fini avec cette pièce. Comment dire? Souci de perspective. Simuche. Simuche. Oh, j'ai envie de faire de la pub à certains d'entre vous. C'est vrai que j'en fais pas assez, j'adore. Donc, deuxième service pour Dragon Sky. Non, oh là là, j'ai écorché son pseudo, le pauvre. Du coup, là, il fait du... Merde, je sais plus, il a lancé quoi, Dragon Sky? Ah oui, Harry Potter. Le Hogwarts Legacy, là. C'est son moment Harry l'empoté. Il faut que j'aille tout en haut, mais je sais plus pourquoi.
Il y a une porte à déverrouiller, mais je sais plus sur quoi elle donne. C'est pas la buanderie. Bon, là, je peux y aller. Je peux y aller gaiement. Elle me donnait accès à quoi, la buanderie du troisième étage, quand même, du manoir. Hein. On est quasiment dans le toit, là. C'était quoi, cette pièce? Alors que je l'ai faite il y a... Enfin, le week-end dernier. Je me souviens plus. Ah non! Oh merde! C'est le serpent dans la bibliothèque! Merde! C'est vrai qu'il faut que je l'affronte, ce... Roubignouf. Non! Ah! Je l'ai oublié, celui-là! Le serpent de mes deux. Merdoum. Et non, c'est pas le Cluedo avec le colonel Moutarde avec la corde dans la bibliothèque. Non. C'est le serpent avec le fusil à pépon ou pistolet acide à grenade dans sa tronche dans la bibliothèque. Parce que Resident Evil. La bonne farce. Eh oui, diantre. Je vais pas faire mon mariole parce que vu les manips que j'ai encore à faire, vaut mieux que je les fasse paisiblement et que je sauvegarde avant de me coltiner le. Ah oui, c'est les corbeaux, c'est vrai. Parfait. Le miroir, le jeu de lumière et d'ombre. Remarquable. Je ne boude pas mon plaisir. Ah oui, c'est vrai. J'ai eu un moment de zappage au niveau du cerveau où je me souvenais plus où est-ce que j'atterrissais. Bonne question. Si, je crois savoir où je dois aller. Ou pas. On va vérifier la carte. Attendez, il y a pas mal de trucs. Il y a le tigrou. J'aurais un disque mot, mais... Si je passe par là, je vais avoir les hunters, les chasseurs. Là où on voit machine à écrire et coffre, là, tout proche. Si je fais dans un certain ordre, je vais déclencher justement des monstres. Donc, Merloum. Ouais, il y a la pièce en face que j'ai pas déverrouillée. Le disque MMO, au niveau du tigre rouge, j'en ai pas besoin tout de suite. Il y a la pièce en face, je sais plus à quoi elle correspond. C'est terrible, hein. C'est terrible. Avec un peu de chance, je vais dérouiller la dernière porte avec la clé casque. Et je vais libérer une case monumentaire, mécaniquement. Un peu trop prudent.
Voilà! Vous n'avez plus besoin de cette clé, la jeter. Oui! On va dire que je suis resté traumatisé dans le hall avec le coup du, vous savez, du Cerbère, là, le chien. Merde, je sais plus. Il se passe quoi, là? Oui, 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 il y a le secret du tableau que je ne connais pas non plus d'ailleurs. Non. Non, non, je suis pas en panne de sauvegarde pour le moment. Je ne me souviens plus. Oh merde. Oh merde. Merde. Oula, je commence à paniquer. La perspective du miroir m'a fait bugger. Il a pas eu son compte. Il va se relever. Ouais, non, j'ai plus de balles. En... Il y a un couteau de défense, visiblement. Herbes anti-poison, ouais. C'est quoi ça? Je sais plus. Oui, non, 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 pas tout de suite, là. Pas tout de suite. Pas tout de suite. C'était quoi ça? La boîte à bijoux. Cavité ronde de 4 cm de diamètre. Rien d'inhabituel. T'en as beaucoup des boîtes comme ça chez toi, ma grande. Merde, cavité ronde de 4 cm de diamètre. C'est quand même pas le diadème, si? Ah si. Ah, j'ai une bonne déduction. Oh non. Le puzzle dans le puzzle. Rotation de... Oui, mais j'ai pas tout. J'ai pas tout. Oh, merde. D'accord, ok. Non, 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 je quitte pas l'énigme. Oui, mais j'ai mal placé mon truc. Du coup, je suis en papaouté, là. D'accord. J'avais un gros problème de perspective, en fait. Ah, je peux la re-sélectionner. Tu me rassures. Tu me rassures. Elle, je crois que c'est bon. Mais non, mais bouge plus. Non! Je n'avais pas pu ajuster la pièce. Je compte un instant. Ah oui, puis c'est pas comme s'il y avait un logo dessus. C'est pas comme s'il y avait un symbole. Il n'y a pas que la forme de la pièce, il y a aussi le. Le jeu est en train de me dire nope. C'est le logo de la famille Spencer. Ouais, il y a quelque chose comme ça. C'est sympa comme énigme. Mais non, mais la retire pas, Nunuche. Oh. Bouge plus. Alors, attends. Oui, ça va, c'est pas trop compliqué. Le petit morceau là, il va où? Il va là? Pas sûr.
Mais non, mais non, mais non, mais non, mais je suis débile. Voilà! Mais oui, parfaitement. Comment ça, non? Oh, vous abusez. Oh, il y a de l'abus. Ça joue pixel près. Oh, je conteste. Oh. Non. Ou je suis vraiment nul. Mais non, mais c'est ça. Mais j'ai déjà ajusté ta pièce. Attends, l'autre, elle est où? Ouais. Hein? Bon, c'est la pièce centrale qui fait suer. Merde. Je crois que je la mettrai en dernier, tiens, d'ailleurs. Allez, hop. Qu'est-ce qui se passe? Torotai de Ntufu. Message de Torota 77. Cher ami le sage, on ne dit pas le fusil à pépon, puisqu'en verlan, ça veut dire pomper. À moins que tu aies un fusil qui a été vendu dans les boutiques X, ce qui devient Resident Evil, un X. Juste on dit pépon. Excellent. Attendez, je vais y arriver, Krotum. Merci. C'est au pixel près. Attends, j'ai un peu chaud. Je retire mon blond. Alors c'est marrant. Précédemment, je l'avais pas faite celle-là, par contre. C'est la fameuse broche de la muerte, là, de, vous savez, la salle. Mais oui, c'est une super clé. La clé emblème. Eh oui, la famille Spencer dont l'histoire débute à la naissance de Raccoon City. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je valide Schwarz. Quoi? Oui, Schwarzy. Bon. Je peux repartir avec la plante. Donc le zombie, il peut crever, je reviendrai pas. C'est un pot de plante pour l'antipoison. Alors à moins que je sois vraiment dans la mouise avec le serpent de mes deux, lui, il est... Hein. Il peut crever le zombie, il peut aller moisir dans sa pièce. C'est pas comme si c'était la buanderie. Pardon. Oui, mon arme est chargée. Alors il faudra que je revienne juste ici pour le... L'énigme de la peinture, il y a sûrement un truc, et le ruban encreur. Il faut que je revienne sans danger vers une mallette de rangement. Je pourrais sauvegarder ce que je viens de faire, ou pas. Ah, entre les deux, mon cœur balance. Les hunters, ça pique. Les hunters, ça pique.
et les fusils, ça douille. Enfin, j'aurais dit non, les hunters, ça griffe plutôt. Ça griffe, décapite. Et les fusils, ça douille. Qu'est-ce que j'entends? Je vais repasser par là où il y a les corbeaux. Donc je verrai la fameuse pièce en fait, qu'on n'a pas vue. Et après je bifurquerai à côté là dans le... Vous savez, il y a la malle à son garde. Calmos, le corbeau, calmos. Quelque chose me dit que je vais m'en mettre plein les poches, alors autant passer d'abord à la mallette, vider l'inventaire, et comme c'est juste à côté, après je peux sauvegarder. On est d'accord, hein? Oui, non, mais non, il n'y a plus de chasseur-tueur, mais oui, j'ai trucidé, c'est vrai, c'était avant que je sauvegarde juste derrière, très bien, sans très bien, pour le moment, c'est le scénario idéal. On peut dire que le sujet est maîtrisé. Est-ce que je garde la pierre jaune pour le tigrou et le premier disque MMO? Je serais même prêt, vous voyez, à faire un détour. Parce que normalement, des disques MMO, il y en a 3. C'est la grande révélation. Je sais pourquoi, il y a un déverrouillage de prison. Enfin, bref. Autant que je trouve les deux autres MMO qui doivent être quelque part à l'arrière dans la cour, dans l'autre partie, là où il y a la plante maudite. Et je m'expose à pas grand chose, alors il faut faire gaffe avec les allers-retours par rapport aux bestiaires. Et je me demande même si je vais pas abandonner mon flingue classique. Ou alors l'immune. Un entre-deux, je me laisse 15 balles de jauge pour les petits zombies. Le fusil, j'ai quoi? Il me reste 4 balles à... Bon. Ouais, après je range le fusil si je retrouve pas de munitions. J'ai l'impression de vous faire, vous savez, avec joueur du grenier, avec... avec Sébastien, David Goudenoff, le mec désabusé qui a une logique totalement irrationnelle. Ah là 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 là. Magnifique l'orage, excellent. Cette ambiance. Je vous l'avais déjà raconté. Le coup de... Je m'étais fait dessus à l'époque, le premier Resident Evil. J'avais une lampe halogène à l'époque où je m'éclairais. Je jouais sur la PlayStation de mon beau-frère. J'espère qu'il ne va pas y avoir de corbeau, j'aime pas voir la fenêtre. Et je m'étais fait dessus parce que, je sais plus, il y avait une histoire d'araignée là dans le grand couloir qui risquait de me tomber dessus.
Et à un moment, il y a eu une. J'étais dans un orage en vrai, vie réelle, donc j'étais dans l'ambiance. C'était flippant. Et j'ai eu une baisse de tension à un moment avec la luminosité et je me suis fait dessus. J'étais à fond dedans, c'était horrible. Il fait trop sombre pour voir de quoi que ce soit. Merde, il faut le briquet. Ou alors la lampe de bureau peut. Putain, il y a un téléphone. Allumer la lampe. Elle est piégée. Non. C'est quoi, c'est un ruban encore? Ah non. Un objet métallique. Oui. Examinons. Un objet en alliage, un emblème est gravé dessus. Il y a même une image derrière. Ou non, c'est juste le. Ouais, c'est pas significatif. Ouais, on pourrait croire qu'il y a un motif derrière. L'emblème de la famille Spencer. Ah! Voilà qui me réjouit. Très bien, ça va dans le chargeur du fusil. Très très bien. Tout est à sa place. Personne n'a dû passer par ici. Une série d'ouvrages scientifiques qui traitent presque tous de biologie. C'était le bureau privé de Spencer, le grand Manitou. Enfin, un des grands Manitou. Une série d'ouvrages scientifiques qui traitent presque tous de biologie. D'accord, tu te répètes, ma grande, mais on peut pas t'en vouloir. Batterie au lithium, ouais, c'est le cadeau self-défense. Et une série d'ouvrages volumineux. Les livres traitent de sujets aussi variés que la génétique ou la diplomatie. Surprenant, mais pourquoi pas. Puis n'oubliez pas, ce soir va y avoir Nash sur Kik. À partir de 20h, normalement, qui fera du Zelda. La batterie. Il faudrait que j'aille chercher la batterie. La batterie de la vie qui était loin. Qui était loin. Qui carte. Oh, ce manoir est tellement immense. Mais je vous préviens, mon château dans Minecraft sera 10 fois plus grand. Bon, peut-être pas 10 fois, mais je ne compterai pas les pièces tant que mon imagination sera fertile. À mon avis, je vais me faire un château avec une bonne centaine de pièces. J'en suis parfaitement capable. Enfin bref, on verra ça dans les mois et années à venir. Mon cerveau me dit plein de choses. Mon cerveau me dit la 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 li la li. Mon cerveau me dit que j'ai mal fouillé la pièce. Bonjour Maniki, comment ça va? Merci de faire un petit coucou. J'espère que ton week-end s'est bien passé, parce que là, ou à moins que tu sois d'un week-end, tu sais, dimanche, lundi. Alors, j'espère que tu vas bien, Maniki. Parce que je m'aventure dans la pièce où j'avais jadis le serpent. Ça vaut peut-être le coup, parce que j'ai peut-être oublié des affaires. Donc, je reviendrai dans la pièce pour ranger des choses. Pardon. Merde, j'avais oublié qu'il y avait un Zombax.
Alors lui, il faut pas que je le rate. Merde. Ouais. C'est pas bon. Ça va en faire un écorché vif, là. Ça va bien. Merci, on va bien ensemble, Maneki. Ah, d'accord. Mon week-end débute alors qu'il finit aussi. Ah, merde, t'as juste le dimanche, en fait, après-midi. Bref, t'es... Oh là là, mon pauvre. Eh ben, bon courage avec ça. Non, mais c'est bien, évidemment. Si tu vas bien, c'est l'essentiel, évidemment. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Non, c'est juste que j'étais avec mes parents, le frangin, tout ça, et bah je me suis pas reposé vraiment quoi. Ah, alors tu t'es pas reposé, mais au moins t'as eu l'avantage de te changer les idées. Des balles de fusil là, je crois. Je crois me souvenir. Bien, bonne mémoire. Et le jeu me dit que la carte est rincée, enfin que la pièce est rincée. C'est bien. J'avais juste oublié les balles de fusil, ce qui aurait été dommage de snobber. Très bien. Attends, je vais être sûr à 100% que je me loupe pas. J'estime que ça vaut le coup que je sauvegarde. Alors j'ai pas fait la partie arrière avec la cour, avec les chiens, avec la plante, mais parce que si je m'aventure dans la partie rouge là avec ah oui, il y a la batterie, j'ai pas ramené la batterie, merde. Merde, merde, merde. Je n'ai pas ramené la batterie. Il faudrait que je l'ai sur moi au moment de la sauvegarde. Ah là 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 là, excellent travail sur les portes. Excellent travail sur les portes. Je vais avoir un instant frisson avec le zombie cramoisi là. Je vais avoir le casse-bonbon qui va me tourner autour. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Je le joue sur PS3. Je croyais que le zombie était mort. Que le zombie était pas mort.
bizarre. Ok, tu le trouves comment? Magnifique. Graphiquement, il est magnifique. Il est plus pimenté, je trouve, que le premier original, puisqu'il y a plus de pièces et des mécanismes un peu plus. Puis le coup des ennemis cramoisis, là, les zombies cramoisis, c'est dégueulasse. Mais c'est génial, mais c'est dégueulasse. si, j'aime beaucoup. J'aimais déjà beaucoup le tout premier. Mais celui-là, remis au goût du jour, c'est agréable. Je sais pas trop comment te dire, mais je suis vraiment positif. Perso, je l'ai pas, donc j'ai jamais joué qu'à l'original. Ouais. Oh, Locas, tu sais, maintenant, vu qu'il est sorti un petit bout de temps, tu pourras te l'acheter pour 5 francs 6 sous. Voilà, tu n'as pas à te ruiner. Quand tu te sentiras l'envie de redécouvrir. L'œuvre, voilà, tu te le prends quand il est en occasion à 5 balles et avec peut-être même un peu de chance, tu le trouveras gratos, va savoir. Enfin, non, chez PlayStation, les jeux gratos, enfin, ouais, sauf si t'as leur abonnement où ils te pompent du fric, éventuellement, ça peut être une soluce. Il y a des balles de magnum, mais je l'ai dans le sternum. sauf si mon fusil a la capacité de. Merde, non. Enfin, 10 balles, c'est déjà beaucoup dans un fusil, 10 balles. Dommage. Ah bah, je suis que sur PC. Eh ben, c'est... Non, mais t'as une plus grande probabilité sur PC, si tu le fais en... Sur PC. Si, t'as une beaucoup plus grande probabilité de l'avoir pas cher, voire gratos, littéralement. Ouais. Oui, t'en fais pas, Maneki. La négligence envers les balles de... Magnum... Voilà. Est-ce que la porte verrouillée, c'est pas l'emblème que j'ai sur moi, là? Faut pas que je fasse le con, parce que j'ai pas sauvegardé. Merde, un coup de trop. Poignée de porte est cassée, impossible d'ouvrir la porte. Est-ce que c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Merde. Merde. Il m'a fait beaucoup de choses, ce zombie. Au niveau émotion. Je réfléchis. J'ai plus de cervelle qu'un zombie. Donc je dois survivre. Mon dieu, il se passe quelque chose. Oh, c'est Choupinou! Merci Poupon. Antide d'avoir pensé à moi. Oui, j'ai vu que t'avais fait ta petite partie de. Oh, j'en retiens pas tous les jeux qui me défilent en. T'as fait du pampan GIGN là. Du. Oh, j'ai vu le nom du jeu défiler tout à l'heure. J'ai vu ton annonce. Oui, du pampan QQ, oui. Enfin, l'essentiel, j'espère que tu t'es éclaté. Division 2, Division 2, voilà. Ah.
Et c'est un relais de chaîne. Merci, j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. Les méchants m'ont bien éclaté en tout cas. Ah merde. J'ai oublié qu'il y allait avoir mon annonce. Je viens de me la prendre en pleine tronche. Il faut que je rejoigne sans risque la mallette de rangement, moi. Côte ouest des palaces. Pourquoi j'ai ce générique télé en tête, moi? Là que je chantais le générique de Côte ouest. Ouais, bienvenue aux arrivants avec Poupon. Notre adorable pandarou breton. Mais encore merci tout plein. J'y arrive plus à cette heure-ci. Encore merci pour le relais de chaîne. D'ailleurs, question toute bête, Poupon. Tu dois refaire un deuxième service ce soir vers les 20h-21h ou pas? Non, tu diffuses une seule fois par jour, si je ne m'abuse. Le pandarou qui va se toiletter le pelage en attendant ce soir. Ah! Donc j'ai vu juste. Tu vas faire une deuxième édition ce soir. Faudra que je vienne te faire un coucou. Oui, ce soir, 21h. Ok. Ah oui, il faudra que je vienne te voir. C'est bien. Ça me plaît comme programme. C'est ça qui est beau. Lego manche. Ah! Hey, tu sais que j'ai failli m'y remettre aujourd'hui. Et puis comme j'ai été complètement pris par Final Fantasy qui m'a rendu fou. Putain, je reviens pas, j'ai fait 7 heures de Final Fantasy. J'ai fait la double ration habituelle. Mais bah, je fais une croix sur le Stardew Valley là. Je vais rester sur le Final Fantasy pour le coup. Oui, les grands esprits rencontrent. C'est pas grave, je refais du Lego sûrement le week-end prochain. En plus, j'essaie de se faire un truc ensemble. Dragon Sky m'a demandé à ce que je l'inclue dans un truc collectif. Que je l'embarque dans un truc. C'est vrai, il a raison. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas fait un truc avec lui. Il a complètement raison. Oui. Oh là là. Ce sera clippé, ma jouissance en direct. Mais oui que j'ai réussi. C'est bon, je me suis décongestionné dans le scénario, Poupon. Je vais avoir l'embarras du choix la prochaine fois que je rejouerai. C'est le bonheur. Oui, merci pour les GG. Et sans aide. J'ai vraiment de mon cerveau, Voilà. Voilà, je peux être fier de ce que j'ai fait. Oui. Fouet, l'école est pas finie. Double GG. Merci. Attends, je réfléchis du coup. Je peux les fusionner, Je peux en cumuler beaucoup, je crois. Je peux en cumuler jusqu'à 16, non? Voire plus. Le monde, si ça monte pas à 24 dans une case, les grenades. De même type. J'ai pas mal... Si je suis pas l'idiot, je récupère pas mal d'objets. Hein. Et j'ai les rubans encreurs qui sont dans la près de la buanderie. Je suis encore tenté de me promener sans sauvegarder. Hein. Prise de risque. Je fais le disque MMO avec le tigrou. Tant qu'à faire, ce sera fait. Merci, bisous, Poupon. Bisous, à tout à l'heure. Merci tout plein. Il faut que je réfléchisse par où, comment je passe, dans quel ordre. Pout. Je peux faire un truc super classe où je. De manière très zen, je fais la totale. J'ai les balles de magnum. J'ai le ruban encreur. J'ai même quelque chose dans la. Vous avez vu dans le truc de la cour arc de cercle là?
J'ai quelque chose à y faire. Je m'y risque. J'ai un doute. Je sais pas si... Il risque d'avoir un cerbère, un clébard. Pourquoi il me dit que je l'ai pas faite, la pièce? C'est quoi l'objet qui manque? Je suis verrouillé et bloqué la porte ou... Non, non. Bizarre. Correct. Je vais pas me vanter, je vais pas faire la hola, mais correct. Le ruban encreur, les balles de Magnum. Le ruban encreur, les balles de Magnum. Bonsoir Aeroster, comment que ça va? Ah mais c'est ton jour de repos, je me souviens de ton agenda, t'avais posé ton dimanche pour être peinard pépouze. Merci à toi de venir faire un coucou. Ouais, bah c'est bien, tu vas bien, on va tous bien dans l'ensemble, donc magnifique. Mickey, Mickey. Oui, ouais, ouais, faut savoir se reposer aussi un peu pour soi. Mais j'adore l'ambiance, hein. Enfin, je sais pas si Manekineko est encore là, mais... Mais vraiment, il est sublimé. Et c'est la critique que je faisais d'ailleurs. Je disais que le remake est justifié ici parce que ça rajoute du contenu qui n'avait pas pu être mis en place à l'époque à cause des limitations techniques de la console de l'époque, qui était la première PlayStation, par rapport à l'œuvre originale imaginée par son créateur. Ça, c'est un remake justifié. Pour mes critères perso, il n'y a pas beaucoup de remakes, j'aime pas l'anglicisme, mais il n'y a pas de version mise à jour vraiment justifiée. Pour moi, c'est juste pour faire tourner la machine Afrique. Enfin bon. Bref. Balle de Magnum, roulant encreur, balle de Magnum, et puis le Tigrou. Balle de Magnum, le Tigrou, gna gna gna. Niu niu niu. Balle de Magnum. Oui, alors attends, je suis juste à côté des rubans encreurs. C'est cette pièce. Je vais être certain de bien écumer le manoir avant de sauvegarder. En pleine sûreté. Je m'en moque si le jeu me dit j'ai fait ma partie en 15 jours et 300 heures alors que je suis censé être sous la barre des 15 heures. Mais bien. Alors là, il y a un soi-disant mystère, il y a une énigme avec les tableaux. Mais j'ai pas trouvé. J'ai pas encore cherché, à vrai dire.
Il y a peut-être un truc bonus. Ouais, l'objet a l'air très ancien, ouais, tu m'étonnes. Je sais pas, c'est pas ma priorité, je referai ça plus tard. J'ai beaucoup de possibilités en fait, hein, dans la situation dans laquelle je me trouve. Je suis vraiment au cœur du scénario de cet opus. J'ai l'embarras du choix de... Magnifique. Magnifique. Les balles de revolver, elles sont en haut, les balles de revolver. Le tigrou est aussi en haut, j'ai plus rien à faire en bas en fait. Et puis que j'ai... Une fois que j'ai les balles de... Pas de revolver, pardon, de Magnum. Les balles de Magnum et le... Mon cerveau... Les balles de Magnum... Le bub, j'ai eu peur avec sa propre ombre. J'ai cru qu'il y avait un zombie qui s'approchait de moi. Comme quoi, c'est très réussi, vous voyez. Les balles de Magnum qui sont là. Ah oui, le tigrou, le disque MMO. Oui, sinon j'aurais pas le... Et le jeu est d'accord, il va me dire, là, cette fois-ci, j'ai écumé la pièce. Elle est plus en rouge. Voilà, j'ai écumé la pièce. Par contre, j'ai pas écumé le couloir. C'est vrai, ici, il y a des plantes. Pourquoi ? Il manque un cadavre de zombie. Prout. Il est passé où le zombie ? Il y avait deux... Oh, j'aime pas ça. J'espère que le jeu va pas me la faire à l'envers. Ascenseur, cuisine, danger. Pas prendre ascenseur, mauvaise idée. Rester à ce second étage. Pièce du tigrou. Du tigrou rotatif pour le disque MMO. Et non, puisque j'ai plus place dans l'inventaire. Oh merde, j'ai encore des allers-retours à refaire. Incroyable mais vrai. Ça va durer 3 ans ce déménagement. Mon cerveau est en train de bugger. Mon cerveau est en train de bugger. Dabaga. Dabagi bug. Si je fais pas le con, je peux avoir l'autre sale avec l'autre mâle de rangement. Et accessoirement, la machine à écrire. À chaque fois que Jill met son pied sur le bras du zombie. C'est un ennemi potentiel, hein. Il est pas aussi mort qu'on voudrait le croire. Jill n'est pas blessé. Ça fait plus d'une heure que je déambule dans le manoir et... Zéro soin. C'est beau, hein. Il suffit vraiment de bien réfléchir à ce qu'on fait. On ne court pas. Et ça se déroule sans accroc.
Allez, c'est reparti pour un tour, mon kiki. Allez, on a plein de choses à ranger. Ouais. Joie et bonne humeur. Quick. Alors, munitions de magnum, est-ce que je peux les cumuler? Oui, merveilleux. La plante, allez, zou. Ouais, je vais refaire le chemin inverse rien que pour les plantes. Parce que ça me tient à cœur. Non, c'est surtout que ça va m'assurer mes arrières pour la fin, qui, à mon avis, va être haute en couleur. Genre pas strictement par où je sais que j'ai une menace faible, ou une menace plutôt, on va dire, maîtrisée. Il y aura le coup du serpent. Il y aura le coup du serpent. Ah. Dès que j'aurai la case de sauvegarder, serpent. Vous allez voir qu'il va me monter dessus, enfin m'agresser quand je passe dans l'autre sens. Même, je sais pas quelle est la condition pour qu'il s'excite, mais de l'intérêt de se faire oublier. Merde, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu une absence. Non, 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 faut pas que je passe par là. Non, mais non, mais non, mais non, mais hérésie, là, faut que j'arrête. Je vais m'engager dans le couloir, pas dans l'ascenseur. Parce que là, je suis dans la cuisine. Demi-tour. C'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée. Je risque de me faire zigouiller. Je suis sûr qu'il y a plein de petits détails, de petits secrets dans cette nouvelle version que je vais potentiellement me délecter à découvrir. Surtout que là, c'est, je rappelle que c'est le scénario avec juste Jill Valentine. Qu'est-ce que ça va être avec Chris Redfield? Crash. Le tigrou. Oh, je croyais qu'il était à l'étage supérieur, le tigrou, non? Attendez. Ah non, oui, il est au premier étage, le tigrou. Merde. Merdoum, j'avais oublié. Premier étage, le tigrou.
Évidemment, je vais rapatrier le disque MMO. Bon, là, je peux me manier les fesses. Ici, c'est sans conséquence. Du moins pour le moment. Je réfléchis déjà à comment, à quelle sauce je vais manger le serpent dans la bibliothèque. Tout en haut. Prudence. Dangereuse. Je crois que si je continue, je risque de déclencher des monstres. Franchement, cette séquence, j'ai l'impression de jouer à Fort Boyard. Félindra, tête de tigre. C'est quoi la description déjà? C'est un disque système qui permet de, je sais plus, de déclencher un truc électronique là. Elle nous dit quoi, Jill, quand elle jette un coup d'œil? Le disque MMO. Non, pas combiné, examiné, mais c'est... Il semble qu'il s'agisse d'un disque permettant de réinitialiser un système. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. La pièce à côté de moi, elle est vide ou pas? Elle est pas vide. Pourquoi? Pourquoi elle est considérée comme mal exploitée? Prudence. Merde, surtout que c'est la chambre. Ah, voilà pourquoi. Bah oui, ça se refuse pas. Enfin, je crois qu'il y avait que ça, hein. Ouais, non, il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a rien d'autre. J'ai... Ouais, ouais. J'ai écumé la pièce. Je vais revérifier sur la carte, mais je suis confiant. Je serais surpris qu'ils me disent qu'il y a encore quelque chose à récupérer. C'est vrai que ce système est sympa, hein, de la carte qui colore les pièces en fonction de... Est-ce qu'on a bien vidé ou pas? Pardon. Quitte à faire de longs détours. Mais ça s'avère payant. Là, honnêtement, j'ai gâché quoi? Allez, une balle de fusil parce que j'ai stressé sur le zombie cramoisi. Mais en dehors de ça... Elle se porte à merveille. Jill Valentine. Elle n'a pas été baissée une seule fois de l'heure.
C'est franchement quelle ambiance. Oh là là. C'est propre. Dans 5-10 minutes, vous aurez de la vraie action. Je vous promets de me frotter au gros serpent. Comme ce qu'il disait dans Final Fantasy, là, c'était le calme avant la tempête. C'était le calme avant la tempête. Objet en métal et en pierre et objet métallique. Putain la vache. Bon, ça va, ça fait pas mal d'encre. Ça fait des chauds d'encre. Une vieille machine à écrire. Vous pouvez sauvegarder votre progression. Utilisez un ruban encreur. Oh oui. Bon. Très bonne chose de fait. J'assure vraiment mes arrières en ayant pris le temps de rapatrier un max d'objets dans la mallette. J'ai déverrouillé tous les accès en plus au niveau des clés. J'ai bien des clés, hein. Attention, pas des trucs secrets, là les espèces d'hexagones. Et ni la manivelle encore, mais bon après. Allez, à quelle sauce on va manger le serpent? Je me prends un petit mélange d'herbes anti-poison si le gros vilain me mord. Qu'est-ce qu'il aime pas le serpent? Qu'est-ce qu'il redoute le plus ce serpent? Le feu, l'acide? Feu, acide. Je sais pas si l'acide lui fait vraiment du mal avec sa peau. Le flingue, j'ai avoir l'air ridicule. Le magnum, il faut que je sois certain de viser sa gueule pour essayer d'atteindre le cerveau, mais. Allez, on va y aller. On va y aller. Je peux le confronter. Alors, il était où le gros vilain de serpent? Le moyen le plus rapide de le rejoindre, je ne sais déjà plus. Dans le toto chapeau pointeux. Je suis strictement à l'opposé de où est le serpent. Allez, on peut se faire peur, je m'en moque, j'ai sauvegardé. Ce qui est libérateur en fait au niveau de la presse. Lui il est pas mort à mes pieds là. Je me fais avoir par l'animation de mes deux là. Coup de fusil en trop qui est parti, c'est deux suffisent pas trois, surtout à cette distance, c'est quasiment à bout portant.
Mais c'est le fusil militaire, hein. Il y a, je crois que c'est le baron qui m'avait dit. Pardon. Le fusil militaire est évidemment plus davantage optimisé et fait davantage de dégâts que le fusil classique du chasseur en bois. C'est pas forcément la bonne porte. Ah si. Si. Sinon je me continue un détour à la noix, donc. J'ai la bonne porte. Ah, c'est son ombre, c'est son ombre. Alors, Monsieur Serpent, je vais avoir des mots à vous rire. Un coup de fusil dans la gueule. L'action, c'est maintenant. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Mince, j'ai fait une... Ah, mince, j'ai fait une bêtise. Je vais faire mon auto-promo. Non. Oups. Avant de faire la promo de quelqu'un d'autre. Bien évidemment. Ah oui, moi, ah, si je suis victorieux contre le serpent, je serais bien content d'avoir les plantes. Et puis s'il me fait vraiment bobo, là, je peux me soigner. Je peux me soigner. Allez, serpent. Hop ! C'est bien fait. J'ai sursauté encore. Je savais plus c'était quoi l'événement déclencheur. Allez, descends, gros vilain. C'est un face to face. Loupé. Elle va se faire gober là, faut que j'arrête mes âneries. Je crois que je le joue très mal. Ah, il a pas aimé. Ah, malin. Oui, ça a tout brisé, donc ça déverrouille un truc. Sympa le scénario. Mais il a pas l'air de se décomposer pour autant, le gros vilain. Monty Python. Sympa. Alors, ah, elle serait pas empoisonnée, dis donc. Donc je peux faire la combinaison là et la bouffer. Bien. J'ai évité le poison. J'ai évité le poison. Là, lilalon. Deux vieux livres sont tombés de l'étagère. Oh oui, alors. Ah. Oh. Ah oui, mais j'ai pas ouvert les bouquins. Mais oui, mais il y a des trucs dans les livres. Mais bien sûr. Ça va de choix. Ça va de... Alors attends, est-ce que j'ai écumé la pièce d'après le jeu? Oui, non. Visiblement, oui. Ah. Je comprends. Je comprends mieux maintenant. D'accord. En fait, c'était pour accéder à la bibliothèque, mais ouais, tant pis. Bon, bah. Mais d'accord, ok. Ça me va très bien. Je fais n'importe quoi. Je ne sais plus diriger la malheureuse.
Voilà, on y croit. Oula. Oui. J'étais plus du tout sûr. Parce que c'est la méthodologie. Le fonctionnement de manette à l'ancienne. Ouais. Il faut quand même un temps d'adaptation pour le cerveau, mais c'est celui qui me réussit le mieux. Je ne vais certainement pas m'en plaindre, puisque le jeu a l'élégance de laisser le choix au joueur. Quel type de commande, en fait, à la manette, le joueur désire. Et ça, c'est classe, c'est propre. Si plus près. Si propre. Il y a des choses au rez-de-chaussée que j'ai pas faites. Pourquoi il me dit que le couloir est pas écumé? Ça me rend fou. Alors la pièce en bas, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai pas récupéré la carte dans la jarre de la statue. Ici, pourquoi il me dit que j'ai pas. Ouais, mais il y a un zombie méchant dans ce couloir. Ah, les plantes! Je crois que j'ai laissé des plantes. Voilà pourquoi. J'aurais pas dû passer par cette porte. Mon carillon qui m'a foutu les jetons. Et j'étais en réflexion pour la rime. C'est du pareil au même. Putain, je sais déjà plus. C'est quoi derrière cette porte? Garde possible derrière cette porte. Faut que je fasse gaffe à ce que je croise pas les chasseurs tueurs, mais normalement je suis dans le bon sens de circulation pour pas les déclencher. Normalement. Il va falloir que je manipule les bouquins là, le rouge et bleu. J'ai failli faire Jeanne Masse en rouge et noir. Papalapapi, palapali, palipalou. Faisons de la pub pour l'adorable Poupon. Qui donc remettra ce soir à partir de 21h pour des Legos en dur en vrai. C'est ça qui est trop choupinou. Enfin, qui est bien. Et ça permet de bavarder avec Poupon. Oui, c'est 29. Je retiens jamais les nombres de chacun, les départements ou les années de naissance. Mon Poupon, je tiens à préciser que c'est son département. Mon Dieu, et vous imaginez, il aurait 95 ans. On lui souhaite d'avoir toute sa tête et d'atteindre cet âge canonique. Sacré Poupon. Il est où le deuxième bouquin? Le bouquin rouge. Allez-y où? Examinons le bouquin. Tranche de livre. Le livre cachait un médaillon. Le médaillon de l'aigle. Le médaillon de l'aigle. Merde, j'aurais pas dû cliquer avec frénésie. Examiner l'autre bouquin. Le médaillon du lion. Le médaillon à Nayonnais. Non, du loup, pardon, du loup. Oh là là, pas du lion. Rien ne va plus, faites pas vos jeux. Je sais même plus ce qu'on en fait.
C'est vrai en plus. Je sais même plus ce qu'on en fait des deux médaillons là. Qu'est-ce qu'on en fait ces deux médaillons là? C'est pas vachement plus loin dans la cour. J'aurais peut-être dû les regrouper au lieu de les séparer là. Le fusil, je vais le ranger parce que voilà. Oui, tiens, je veux dire, avec une balle de fusil. Je vais pas aller loin. Je vais pas aller loin. Ouais. Non. M'aventure dans la ouais dans la cour avec les chiens. Je crois que je peux rien faire d'autre. J'ai ça. Ouais. Je vais avoir besoin de la batterie. Pistolet. Plutôt Magnum. Ouais, je fais tout au Magnum. D'un style. Comment qu'elle pose Jill au Magnum? C'est Jill. Je me risque un peu de pas sauvegarder parce que je suis moyennement satisfait de ce que j'ai fait avec le serpent. Je trouve que j'ai utilisé pas mal de trucs à fusil. J'accepterais de refaire la scène d'action plus propre, avec plus d'assurance et moins de gâchis. Ah oui, pourquoi cette pièce, il me dit que j'ai pas écumé le couloir. Merde. Une balle de Magnum suffit? Ça va me plaire. Alors, les verts semblent plus coriaces que les blancs. Ah, elle a mal, la pauvre. Ouais. Elle a bobo, la pauvre Jill Valentine. Elle a bobo doudou didon. Ouais, c'est des plans dans le couloir. Qu'est-ce que j'ai pas récupéré? On parle bien du couloir. Hein. Qu'est-ce qui a échappé à mon attention? Le chandelier brille froidement dans la lumière claire de lune. C'est là? Ah oui! Oh, un couteau de self-défense. Prout.
chaque nervosité palpable. Repasser au niveau de la galerie des corbeaux pour accéder plus rapidement à l'arrière du manoir et continuer l'aventure. Et le crétin que je suis vient de se rappeler qu'il a oublié de se saisir de la manivelle. Ce qui fait que théoriquement je devrais pas pouvoir aller bien loin. Je ferai des à côté avant de rejoindre une salle de sauvegarde avec une mallette. Je suis plus assez prêt. Donc que... Ouais non, ce sera assez rapide. Que si j'arrive à joindre la... Sans encombre, sans embûche, la... La cabane, pas au fond du jardin, mais... au fond de la cour. Je sais déjà comment je vais procéder pour... Pour retomber sur mes pattes. Il va y avoir des cerbères normalement, là. Il va y avoir des fichus canidés de mes deux qui sont, pour bien l'avouer, bien stressants. On est bien d'accord que je ne peux pas fusionner les deux médaillons bizarroïdes. Nous sommes d'accord, ça se combine pas. Quelque chose d'infini dans la pierre. Le profanateur du cercueil maudit. Oui, mais voilà. Et si je reprends le truc et que je mets l'autre, il se passe quoi? C'est bonnet blanc et blanc bonnet? Ah non, 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 je peux pas m'en servir là. Alors à quoi sert l'autre? C'est bien pour déverrouiller l'accès à la cour et l'arrière du manoir. Wow, comment vais-je faire? Comment vais-je procéder? Bon, je crois que là, il n'y a pas de chien dans le milieu. Non, mais non, mais non, mais une fois la manivelle. Ah, peut-être. Je sais plus. Ah, je sais plus. Mais non, l'eau a pas été remise. Là, j'ai la voie libre. Mais oui, que j'ai la voie libre. C'est. Non, c'est bon, je vais pouvoir récupérer la manivelle dans la cabane à l'arrière. Tant pis pour l'aller-retour. Je risque de me faire croquer par les vipères qu'on va voir à partir de maintenant. Voilà, elles arrivent. Ah merde, je me suis fait mordre. Ah merde! Il n'y aura même pas un suspense au niveau du retour. Rien qu'à l'aller, la première, allez hop, croquer, terminé. Donc elle est empoisonnée. Et merdou, merdou, me crotoum, choutoum, bordeloum. Ou alors il m'a pas compté le poison, il est plutôt gentil. Il n'y a pas les chiens? Bon! Merde! Couchez, Médor! Coucher Médor. Ouais, j'en remettrai l'ascenseur plus tard. Bon, bah une bonne chose de faite. Qui c'est qui m'a fait la vanne tout à l'heure? C'est la gastro. Enfin, c'était sur un autre jeu. Enfin, c'était Final Fantasy tout à l'heure. Je sais plus qui c'est qui m'a fait rigoler ce matin. Ça me c'était bien. C'était pas Torota qui avait rigolé. Possible.
Ah là là là, enfin je reverrai à l'occasion avec plaisir. Vipère. Pas au point, mais vipère, je crois. Non ? Ah ouais. Je sais plus, culture générale, vipère au point, c'est François Sagan, non ? Je vais demander à Westbot. Qui a écrit vipère au point ? Non, pas au pong. Singulier ou pluriel ? Je sais plus. Hervé Bazin. Pff, mauvaise réponse. C'est pas du tout François Sagan. Aïe, aïe, aïe. Non, François Sagan, c'est Bonjour Tristesse. Son plus célèbre, je crois. Oh, faut que je révise Culture Générale. Ça va pas, faut que je me mette à jour. C'est pas bien. J'ai perdu plein de références culturelles ces dernières années. C'est moche de lire. On va dire que je me serais pas entretenu. À plus, Nash. À tout à l'heure. Non mais je t'en prie. Merci à toi d'avoir été là, Nashman. Merci Aerostar. Évidemment, t'es évidemment référent culturel, surtout pour la littérature. Merci à toi. Mais Nash, oui, Zubi, bonne popote et bon Zelda. Je viendrai te faire coucou tout à l'heure. Donc pour rappel, hein, ceux qui aiment Zelda, mais il faut aller sur Kick, la plateforme de concurrence, pour voir Nash. Il fait de 20h à minuit, en gros, ce soir. Il continue son Zelda, son péplum. Oui, on peut dire ça comme ça. Sa grande saga à lui. Mais oui, oh oui, je me ferai une joie de te faire un coucou. Je te cache pas que simultanément, je vais faire toi et Poupon ce soir. Ça va me faire beaucoup de bien de vous voir tous les deux. Ça va me permettre de finir en beauté mon week-end. Mon cerveau me dit reviens dans Resident Evil le... Oui, la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai chanté dans les bois. Lé, 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 lé. Lé, 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 lé. Attends, elle est comment dans le... Attention, c'est pas vraiment le danger avec la... Le spray... Je suis fou. Ah, j'ose. Pourquoi la caisse est là? J'en ai plus besoin de la caisse. On reverra plus tard. Parce que la plante est morte. Je l'avais trucidée, du coup, la plante, non? On reverra, mais... Mais oui, bien sûr que j'ai trucidé la plante. Le fait de la trucider, on obtient la clé voilà, que j'ai utilisée à fond dans le manoir. C'est la clé casque qui est la toute dernière clé du manoir. Mais oui, bien sûr. Mais oui, elle est morte et enterrée, cette fichue plante de mes deux, là. Bien sûr, mais oui. Déjà, c'est déjà acté. C'est bien, j'avance bien. On va pas tarder à voir les labos. Bah, ça va être la phase là, en fait. Et oui, Ponostolais, je tourne. Ça y est, je suis lobotomisé par la chanson. Non. Oh, vilaine bête. J'ai eu du bol, hein. J'ai du mal à me diriger, mais j'ai eu du bol.
Parce qu'une autre morsure, à mon avis, j'ai l'effet poison ajouté. Merdoum. Il y a un trou carré ici. Joie, j'ai la manivelle carrée. Oui, c'est vrai qu'il y a une autre manivelle un peu plus loin. Il y a la triangulaire aussi. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça. C'est vrai. Vous n'entendez plus le bruit de la chute d'eau. C'est ballot. Et l'astuce, la ruse, consiste une fois qu'on a armé le deuxième ascenseur de sa batterie. Oh non, il fallait mettre le... Oh merde, on peut l'appeler que du bas. Oh c'est nul. Oh ça c'est nul. J'ai fait le truc dans le mauvais sens. Là, franchement, c'est naze. Allez, tous en cœur. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Allez, deuxième service. Oh. Ah bah, au moins, on voit la belle animation. Vous entendez un bruit de chute d'eau au loin. Pour changer. Mais vais-je me faire croquer par une foutue vipère de mes deux? Ah, Hervé Bazin. Ah, il faut que je retienne. Mais attends, il y a une homonymie, Hervé Bazin. Ah bah voilà. Je suis mordu. Poil au cul. Alors je vais passer là, je vais franchir le truc et il va me dire poison. Je le sens gros comme maison. Hervé Bazin, il y a une homonymie avec un journaliste de France 3, je crois. Ah non. Ah bon. Qu'est-ce que c'est beau, je me répète, mais c'est beau. J'adore. Voilà, alors foutu ascenseur de mes deux. Qu'on peut que. Hein, actionner du bas. Bon. Il y avait des loustiques que j'ai vus il y a quelques jours le long de la rivière là dans le secteur la Meurthe. C'était bizarre. Les mecs, ils étaient dans un endroit qui est dangereux au bord de la rivière, qui est en fait la bouche d'évacuation des eaux usées de la ville, des égouts là. Et c'est alors, il y a juste un panneau qui dit interdit d'entrée, mais honnêtement, il y a rien qui bloque, il y a pas de grillage, il y a rien. Et c'est une vraie porte, hein. C'est un truc comme les catacombes de Paris. On peut rentrer dedans. Alors à mon avis, on rentre pas au bout de 50 mètres, on meurt gazé parce qu'il doit y avoir un effet de poche de gaz. Avec tout le merdier qu'il y a dedans et les eaux, et il peut y avoir une soudaine montée des eaux si les vannes sont ouvertes et que. Enfin bref. Et les deux clampas que j'ai vus, franchement, je me pose la question, mais qu'est-ce qu'ils fichaient là? Ils avaient des morceaux de bois qui, visiblement, ils avaient taillés, on aurait dit qu'ils prenaient les mesures d'un chambranle, d'un encadrement de porte. Et, sauf que c'était. Ils me semblaient bien jeunes.
maladroit, puisque les nigauds qui manipulaient à deux, ils ont fait tomber leur puzzle et il y en a un qui s'est pris un morceau de bois dans la tête. Enfin bon, bref. Et puis il n'y avait pas de camionnette d'ouvriers, quoi. Donc c'était vraiment étrange. La scène que j'ai vue, elle était... Je voudrais si prochainement j'aurais vu une grille posée, mais j'y crois pas. Ça devait être des rigolos qui passaient par là, c'est pas possible. Ah! Pardon, vous ne savez plus quoi vous dire pour vous tenir en haleine et que j'ai du nouveau à présenter dans le jeu. Alors. Ça, c'est quoi déjà comme porte? Je me souviens plus du tout. Je sais plus. Pardon. Ah! Ça se refuse pas. La source d'alimentation de l'ascenseur. Couvercle rond, ouvrir. Oui. L'arbre. Ah oui, on dirait qu'il y a des chiffres en romain. Il y a quelque chose. Les symboles sont gravés de ce côté. On dirait que ça permet de, ouais, d'activer le jus. Bonjour, Nicopoulos. Elle a un point de côté, la madame. Oui, bah oui. Oui, oui, elle a une petite gastro. Pour reprendre la formule qui m'a fait rire ce matin. Vas-y, quand c'est ce trou, pourquoi a-t-il été creusé? On se le demande. C'est pas pour les eaux usées. Oui, ramasse. Ah! Je suis un poil surpris que le jeu me distribue encore des munitions pour pistolet. Parce que vu que le bestiaire est devenu coriace... À part quelques zombies classiques, les balles de revolver, je vais pas aller loin. Oh. Is that you, Jill? Ah. Is that voice Enrico's? Yeah. You're alive. Stop. Are you with anybody, Jill? No, but why? The stars are finished. Someone is a traitor. Umbrella set us up. Enrico! Traitor? Who? La 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 la. Alors, son héritage, c'est quoi son cadeau? Richard nous a déjà offert sa radio, qui était pétée d'ailleurs en plus. Mais Enrico nous offre la manivelle numéro 2. C'est déjà un héritage plus lourd. Enrico est mort, la 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 la. C'est ça. La 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 la. Que savait-il? Oh, trop de choses. C'est le poids de sa conscience qui l'a tué. Simuche. Eh oui, il est fini le petit Enrico. La 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 la. Waouh, il m'a foutu les jetons ce con. Pardon. Voilà. Je ne suis pas cardiaque.
On reste zen. Qu'est-ce donc? A O et B. Oui, non, c'est toujours de la même rengaine. Oh merde! Ça s'est joué à un dixième de seconde. Il était parti pour me décapiter, le salopard. Alors attends. La carte. C'est qu'il s'agit de pas se louper d'intersection dans ce. Blablabla. Ah oui, machine à écrire, coffre. Ah là, ça vaut peut-être le coup que je sauvegarde et que je me soigne. Enfin, je vais faire ça, mais dans le bon ordre. Oui, c'est des hommes lézards. En fait, dans les prototypes biologiques que tu as à l'écran, c'est ce qu'ils appellent des chasseurs, hunters. Et c'est des hommes en gros croisés avec un ADN de lézards. On peut appeler ça des hommes lézards. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas meilleure définition. Ouais. Mais ils disent Hunter quand tu tombes sur la fiche dans les labos. D'ailleurs, on le verra peut-être assez rapidement, je pense. Mais à un moment, il y a une histoire de diapo. Ah, j'avais pas vu qu'ils avaient fait un plan exprès pour la machine à écrire. C'est mignon. Enfin, c'est mignon. C'est bien. Alors, attendez. Que je range bien dans le bon ordre. J'ai déjà des munitions de flingue classique. Voilà. T'as bien, j'en ai 83. Oh. Alors ça, j'en ai pas besoin tout de suite. Elle est pas empoisonnée, donc... mélange d'herbes. Ou est-ce que je prends un truc que j'ai déjà, en fait? Parce que j'ai déjà fait des premiers mélanges. J'ai déjà fait des premiers... Alors, j'ai fait un antipoison parce qu'il y a du bleu dedans. Ah non! Non, j'étais très scrupuleux, en fait. J'ai pas... Et on est d'accord, elle est pas en danger rouge. Elle est en attention. Donc, j'ai pas besoin d'une triple. Donc, si je fais ça, déjà, elle ira mieux. Normal. Voilà, j'ai bien géré. Elle est revenue normale. Elle a plus de diarrhée. Enfin, de... Pardon. Elle a plus de... Elle se tient plus le bide. N'importe quoi. Donc j'arrête avec mes âneries. Ruban encreur. Ouais. Oui. Oh oui, que je vais sauvegarder. Tu m'étonnes. Finalement, vous voyez, j'accepte le patatage au fusil et du gros serpent. Ça va encore, niveau munitions, c'est correct. J'ai dû perdre 3-4 balles de fusil contre le serpent, mais bon. Je suis pas dans la dèche, hein, je me fais pas de mourons. Alors c'est sûr que c'est le pire, c'est l'angoissant, c'est-à-dire d'arriver sur la fin du jeu et de se dire on est à poil, on n'a plus rien pour... Là c'est goops. Mais non. Non, ça devrait bien se passer. Et mais pendant ce temps-là, stabilis repetita. Et elle, pendant ce temps-là, elle se foulait le poignard. Non, c'est pas... Avec accent, ça aurait pu passer. Oh là là, la fausse rime. Allez-y.
Je sais même plus ce qu'il y a derrière la porte. Est-ce que je l'avais fait la semaine dernière? Ah oui, c'est... Ah oui, le boulet. Le boubou, le boulet, le boubou, le boulet. Oh bah mince alors. Un gros rocher bloque le passage. Et... Ah! Tomb Raider. Allez Lara Croft, bis. Yeah. Tu peux. L'animation est excellente. Il n'y a rien à redire, on s'y croirait. Tu m'étonnes que tu t'es fait dessus, ma grande. Ah là là, trop bien. Dak, je connais pas grand chose à Resident Evil. Ah, il est... Oh, araignée. Wouh. C'est... Migala Cruella. Mais j'ai pas le temps de la braquer. C'est quoi cette horreur? Hop, y a les bébés. Ah bah elle a zippé. Tarantula. Voilà, très bien. Voilà, ils ont été mieux inspirés que moi. Tarantula, exactement. C'est une tarantule. C'est comme ça qu'on fait. Ah bah vive le magnum hein. Oh, couteau de survie. Ah. Non. Oh non, elle a des bébés araignées. Merde, elle était en gestation. Oh merde, il y en a une deuxième. Qui n'était pas prévu au programme. Nope. Ah bah elle est moins endurante celle-là. Bon bah elle est moins endurante. Ça va, c'est fini. Une toile d'araignée. Ah bah oui, d'où le couteau. Mais oui, bien sûr. Au boulot. Quick. Quick. Ah là là là. On n'aurait pas mieux rêvé. C'est parti. Ah, tarantula, excellent. Je valide totalement. Je me souviens plus du tout. Oh, il y a comme le coup du fusil avec le cling. Vous avez vu le porte-machin là en L. Attends, je tourne en rond, c'est nouveau. Il y a un trou béant dans le sol, impossible de passer. Oui, c'est la mort. Comment j'ai fait mon affaire, moi? Ah, je suis perdu. Je suis où? Je suis complètement désorienté. Ah, il y a une pièce que j'ai pas faite. Qui m'est désormais accessible. Il y a une pièce que j'ai pas faite qui m'est désormais accessible. Ah, mais il faut jouer de la manivelle. Attendez, je préfère regarder sur carte, mais. Capcom hein. Ah là 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 là. Encore? Un gros rocher vous bloque le passage. Allez, vas-y, deuxième service, vas-y. Non? Non? Attends, il n'y a rien? Oh. Ça va être sur le retour que le machin va me tomber dessus, non?
Mais attends, mais je vois pas. Attends, c'est moi qui suis débile profond ou... Attendez. Oui. Non, mais j'ai pas de dynamite. C'est pas au Magnum que le rocher va éclater. Alors attends, est-ce qu'il faut faire un deuxième coup de manivelle ? Bizarre. Allez, tu viens le rocher ? Non, il y a rien qui le provoque. Bon, moment de flottement. Merde là. Bizarre. Encore un coup de manivelle. Ah, mais oui. Mais oui. Mais bien sûr. Mais oui, c'est logique puisque la partie est en U. Oh merde. Oh bah oui, alors là, bah non. Oh merde. Merde, vite. Bah... Elle est à plat aujourd'hui. Fallait que je la fasse. Merde. Bon, bah, on va refaire, cher ami arachnophobe, on va refaire le passage de Tarantula. Avec joie, avec enthousiasme. Avec une autre arme, peut-être. Si on se faisait les tarantules avec une autre arme. Juste pour le... Voilà. Pour mettre à l'honneur ce jeu merveilleux. Bon. Oui, vos pires cauchemars sommeillent dans les ténèbres. Oh là là. N'éteignez pas la lumière, je vais me faire dessus. Ah. Et j'aurais pas dire, hein, mais j'ai au moins, on peut dire que j'ai eu au moins un cri de fillette aujourd'hui, voire deux, là. Je pense avoir fait mon quota et vous avoir régalé pour le fait d'avoir... hein, bon. Mettre potentiellement fait dessus, comme on dit. Est-ce que j'irai pas au culot de me faire les tarantulas au petit flingue? Ah, c'est risqué parce que la grosse est tellement agressive. C'est un défi relevé, culotté. Je peux faire économie de... Je peux faire économie de... De balles vachement pratiques, je sais pas, je... Merde, je suis pas au bon endroit. Oui, voilà, pardon. Merde. Je voulais essayer d'insérer le revolver dans le mécanisme. Comment ça, je peux pas... Oh, mais... J'étais parti pour pouvoir mettre le revolver à la place de la manivelle dans le truc. Oui, alors ça, voilà. Ça, c'est la manivelle simple. Ah, on va se retaper la scène avec Enrico. Ah, mais attends, il y a le Hunter avant. Eh oui, il y a l'homme lézard. C'est pas au petit flingue que je peux me le faire, celui-là. Pas tout de suite, Tarantula. Tarantula, Canigula. On passera la scénette, hein. Oh mince. Sans commentaire. Merde. Ah, nul. Mais attends, j'ai une touche pour courir, moi. Parce que là, j'étais au trot, mais je peux aller au galop. Je joue pas des gâchettes. Alors, il y a le coup de braquer et de pampan, de tirer. Mais les sous-gâchettes, c'est peut-être pour courir. Attends, faut que je vérifie. Non. Ah, c'est pour avoir la carte rapidement. Non. Attends, pour courir, c'est... Je cherche.
Non, non, ça c'est l'inventaire. Bah non, elle court déjà en fait. Bon, là c'est pour braquer. Non, bah non. Non, non, je peux pas aller plus vite. Faut que j'arrête mes âneries, moi. Je peux pas aller plus vite. Merdoum, mauvais côté. Vers le bas, 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 vers le bas. Oh, je suis pas dans l'axe. Oui, il y a un trou de machin, merci, ça y est, donc. Manivelle. Le boulet, l'Enrico, le Hunter, et enfin Tarantula, mon amour, là. Mon amour velu. Alors, lequel de nous deux est le véritable poulet, j'ai envie de dire. Très très bien joué. Très très bien joué. D'ailleurs, attends, je suis gros bêta moi, mais j'ai pas vérifié. Mais attends, ça libère une. Mais oui, ça libère une zone du coup. Alors attends, il y a Tarantula, mais. Enfin non, pas tout de suite. Mais attends, du coup, attends, j'ai quoi là? Je me souviens plus. Ah. Ah bah oui, tant qu'à faire. Ah oui, un petit cadeau offert par la maison. C'est pas désagréable ça. Allez, monsieur Enrico. Monsieur Henry. Ah non, c'est la tarentule. Ma merde, je sais plus dans quel ordre. Ah, les mandibules, les crocs sont très bien faits. Alors, au petit flingue, ça donne quoi? Ça dit que j'ai merdé ma touche. Ouais, au petit flingue, c'est la merde. C'est pas gérable, vous avez vu, je me suis fait déboîter. Non, non, il faut vraiment le magnum, elle est redoutable. Je peux pas faire mon kéké au petit flingue. Bon, on le sait, j'aurais essayé. Magnum, ou alors... comme elle est velue, l'idée de prendre les grenades incendiaires pour lui faire très mal. On peut s'offrir cette variante-là. L'acide, j'y crois pas. Parce qu'elle-même, elle est acide avec son venin. Surtout pour faire fondre ses proies, hein, comme toute araignée. Ouais, non, les grenades classiques, j'y crois pas trop. Non, non, je pense que les incendiaires, elle va pas aimer. L'idée de se faire cuire par la même occasion, bien velue comme elle est, elle va pas... Elle va nous faire la tronche. Elle va nous faire la tronche. Donc, lance-grenade, mais il va falloir que je combine les bonnes. À savoir les incendiaires. Voilà. Je range des grenades classiques parce que j'y crois pas. Attends, j'en ai déjà des classiques normalement quelque part. Non ? Ah si, voilà. Donc le boulet, la manivelle, le boulet. Tac, tac, tac. C'est reparti. Bis repetita. Le tunnel, le boulet, l'araignée, quatrième prise. Euh,
En même temps, il faudrait que je revienne par ici pour sauvegarder. Alors, est-ce que je prends les cartouches de fusil tout de suite? C'est peut-être pas une bonne idée, en fait. Un boulet me bloque le passage. Nya, nya, nya. Bon, là, on va peut-être zapper son... Ah non, je peux pas. Ce jeu d'acteur est tellement parfait qu'il est interdit de le zapper. Alors, Tarantula, qui, à mon humble avis, n'aime pas ce que je lui ai proposé de déguster en pleine tronche. Pour être balé. Oui, d'ailleurs, il y avait un truc sur la... Ouh la vache, elle m'a bien craché de l'acide. Ah ouais, elle m'a bien vu. Ah oui, c'est vraiment la grosse qui est en gestation. Ouais. Ah, cochonnerie. Oh merde! Merde, je pensais pas que ça avait pas une bonne portée. Ah merde, faut qu'elle descende. Ah, dommage, j'ai gâché une cartouche connement. Il faut que je me la fasse au magnum, la peau de vache. Ah, puis j'ai le poison là, ouais. Elles m'ont eu. Elle est où? Bah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est buggée ou quoi? Mais... Bah merde, ça avait réussi... Mais non, mais le jeu se moque de moi, là. Oh non, j'ai perdu 2 balles de magnum. Oh non, là, je suis déçu, là. Perdre des balles de magnum, non. Non. Ah oui, et puis il y a la deuxième. Ah. Il est où le couteau? Je sais plus. Ah, il est là. Ah ouais, non, je suis déception. Je suis déception. Une carte courbée 1. Oui, je la prends. Je la prends vu le 1. Ouais. Oui, alors attends, je suis victime de poison, donc là je peux. Effectivement, le moment est venu. Oh bah merde alors, finalement j'avais bien géré la première fois. Oh là, je suis même pas complètement frais. Ouais, je prends la bleue avec moi. Ah, elles m'ont vraiment... Ah, on va voir. On va voir si je la refais ou pas. On va... Alors, on va y avoir le Hunter après la scène d'Enrico. Allez, Enrico Macias, sors de ta cachette. Ah oui, non, pas encore.
ruse. C'est ça la ruse. Merde, mais non, mais. Ah, je me suis déséquipé de mon arme. C'était pas très malin. Ah, elle prend l'habitude, elle est moins essoufflée là. Alors, découvrons une nouvelle pièce. Oula, c'est une salle d'énigmes là. Alors, oh merde, il y a encore l'histoire d'une statue. Oh là 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 là. Oh, il y a une histoire de rotation. Le truc central de la pièce, c'est pour faire faire la rotation de la. Ah oui, mais oui, mais oui, mais je me souviens par rapport à l'original, mais bien sûr. Mais oui, et il va me dire que j'ai pas la bonne manivelle, le CON. Pariez combien qu'il va me dire que c'est l'autre. Alors déjà, faut que je mette bien en face. Hexagonal, il va me dire que c'est pas la bonne. Ah non, j'ai rien dit. Ils auraient pu être vaches. Hein. Franchement, ils auraient pu être vaches. Je vais dire c'est l'autre. Oui, mais non, mais non. Il faut que je puisse passer, donc il faut que je rembobine le truc. Oh, j'ai à peine bougé. Oui. Allez, où? Et oui, pour nous, c'est l'air. Par contre, tourner le truc, je sais plus comment on fait. Comment qu'elle pivote la bête? Comment qu'elle pivote? Je sais plus du tout. Ah bon, c'est automatique. Ah, mais il faut refaire un quart. Ouais. Ah! Mais arrêtez! Arrêtez, vous me rendez fou. Oh, cette vue. Mais ils ont tout fait pour nous pourrir la vie, hein. C'est pas possible. Merci. Allez, on y croit. Oh non! Ouais, j'ai eu peur. J'ai eu peur, là. Là, j'ai cru qu'il me disait... J'ai cru qu'il me disait, tu peux aller te faire en papa outé, on te refuse la manip. Non, c'est pas encore bon. Vous êtes sûr? Bah merde alors, faudrait savoir. Bah attends. Comment veux-tu que je fasse mieux? Ah! Merci. C'est quoi? On dirait du ruban adhésif. Ah! C'est le cylindre du truc de d'électricité. Elle fait sa star. On dirait les figurines à la Resident Evil 5. Les figures figurines récompense. La porte, elle était où dans ce bazar? Elle était là. Ça se tient, ça se tient. Mais du coup, j'ai esquivé Enrico et le chasseur-tueur.
J'ai envie de dire, je fais mon cri de la blonde dans Stardew Valley là. Oh, ça fait plaisir comme cadeau. Ça fait plaisir. Spray capable de guérir totalement les blessures. Oh. Je dis oui, cadeau accepté. Cadeau accepté. Du coup, ouais, je me suis fourvoyé. Il est où, Enrico? Le petit Enrico est demandé à l'accueil, s'il vous plaît. Comment on a fait mon affaire la première fois? Putain, c'est dingue. Une fois qu'on a patate la tarantula, c'est, ça laisse un vide là. Ah, déjà 19h? Merde. Dans une heure, on fait le tableau mystère. Ah, j'arrive à la fin de ma cruche. Ah, on me refera peut-être un. Avant de. Bon, bah. Alors, servirait peut-être une cruche avant de faire le tableau mystère et de remonter ensuite. Est-ce que le fusil que j'aimerais avoir les cartouches de fusil sur moi qui sont à la base offertes derrière le premier boulet. Orientation 0 pointé. J'ai rangé en haut le fusil. Merde. Attends. Bah. Oui, non, je l'ai pas sur moi le fusil. Pourquoi? Ah. Je commençais à tiquer un peu. Alors, fusil. Recharge. Ça c'est fait. Ouais, dos droit, t'as pas tort. Merci, Nico Pulse. Attends, d'ailleurs, je m'étire un peu, ça va me faire du bien. Ouais. Bien vu, merci. Ouais, je vais garder le fusil parce que j'ai plus beaucoup de balles de magnum.
Avec le foutu gâchis à 48 de mes deux là. Alors examiner. Oui. Il faut peut-être le remettre proprement comme il faut, non? Ou c'est peut-être pas là que ça se fait. Oui. Oui, oui, oui. C'est pas la manivelle qu'on fait tourner, mais c'est une bonne chose. La 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 la, je crois qu'il faut le faire au moins 6 fois. La li la li la li, on a une vie on a une vie passionnante. Donc si j'ai examiné là, du coup il dit quoi? Oh non, attends. Bah il se moque de moi. Bah. Mais. Alors là, le jeu s'est moqué de moi. Enfin, je crois. Les chiffres romains coïncident pas. Ah. Mais si, qui coïncide. Bah alors. Voilà. 4, 2, 3, 1. Je vois pas ce que je peux faire de plus. Y a rien à faire pour le verrouiller, non? Enfin, je pense pas. Bizarre. Non, merde! Oh, j'ai fait tourner le truc. Oh, chiate. Allez, on va aller là où il faut le mettre, le machin. Ça doit pas être loin, d'ailleurs. Je sais plus où c'était, mais ça devait pas être loin. Mémoire, quand tu me trahis, c'est pas joli, joli. Mémoire, quand tu me trahis. Ah oui, il est en bas, Enrico, et la machine, elle est... Un gros rocher. Ah bon? Il y a du sang sous le rocher, oui, d'accord. Il y avait une cartouche, hein, j'ai vu, d'acide pour le... Je le ramasserai plus tard. Mais... Ouais. Bon, Enrico. Cette vue qui me rend fou. Dans son époque, le dédale était aussi terrible. Je dois avouer que je suis à nouveau perdu. Mais. Attends, je me tourne en rond. Ah! La machine, elle est là. Une série de boutons qui clignotent. Appuyer sur l'un d'eux, appuyer sur quel bouton? Bah le 1. Bah le 2. On arme le truc. Je vais tout faire péter. 3. 4. Rien ne se produit. Alors, j'ai obtenu arbre cylindrique. Merveilleux. Non, c'est peut-être parce que le truc était pas... Alors on recommence. C'est un peu cucul la praline. Surtout qu'au niveau horreur et violence, pardon, mais on peut pas dire que ce soit un jeu pour les enfants. Hein. Il doit être au moins PEGI 16 le jeu, non? Ah, mais oui. Attention, chut, faut pas. Attention, Nicopols, faut pas me divulgâcher, mais oui. La solution s'écrit dessus, oui. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Oui. Oui, tension.
Mais bon, je serais honnêtement, j'ai bon espoir d'avoir encore quelques neurones. Et à terme, je serais parvenu à en déduire que voilà. Mais attention, ne pas me divulgâcher, s'il vous plaît. On dirait que l'alimentation a été rétablie. Ouais, non, c'est ça. Mais j'ai toujours pas eu la scène avec Enrico. Ça veut dire les labos. Ça veut dire le cauchemar. Le cauchemar absolu. La révélation inavouable va commencer. Il n'y avait rien là. Non, il n'y a rien. Là, j'avais ramassé. Il est où, Enrico? Parce que si je provoque pas la scène, je peux continuer quand même. C'est un peu... Ah oui, il y a le beau cadeau. Il n'y a rien d'autre. Hein. Oui, il y a du sang sous le rocher. Non. Parce que si je me rends dans le labo directement... Sans sauver Enrico. Je me souviens plus si ça a une influence dans le scénar ou pas. Dans tous les cas, le pauvre Enrico, il crève, non? Je sais pas. J'ai envie d'essayer, du coup. De snober... Jill! Barry? Thank God you're safe. You too, Jill. A noise I heard brought me down here, but... I didn't expect to find a place like this. Have any idea as to what might be at the bottom? There's only one way to find out. C'est pas du pétrole que vous avez trouvé. C'est pas du pétrole. Oh, j'ai oublié. What the hell is that sound? Lisa Trevor. Je l'avais complètement zappé. Jill, go check it out. We had enough surprises for one day. I'll stay here and secure our escape route in case something happens. Okay. J'aurais droit à un coffre. Oui, il a un beau flingue. Hein. Monsieur a un gros calibre. Nous pouvons le dire. Je pense plus avoir besoin de la manivelle. Écoute, j'aurais été vilain, tu vois, j'aurais écrit en deux mots. Qu'on pense. Ça parle mal. Mais, oh, écoute, voilà, pout. Est-ce qu'elle a besoin d'autre chose, Jill? Allez, la garantie survie avec le... Ouais, voilà, avec le spray médicinal, là, mais bon, bref. Alors ça, par contre, je m'en souvenais plus. Ah, je peux encore descendre davantage dans les ténèbres. On va finir par y avoir les flammes, là, si j'atteins le 666e sous-sol. Deux vieilles caisses. Dessus, on peut lire déchets. Oh là là, quelle horreur. Ah, il y a un truc qui clignote. Un compacteur de déchets. Appuyez sur le bouton. Non. Non, parce que je sais pas ce que ça va occasionner. Alors. Ah. Oui, mais ça va attirer un truc, là, non? Bon, bah... Finalement. Faisons des bêtises.
Bah, c'est pas une échelle. Ah non. Je comprends pas. Il y avait quelque chose dessus, j'aurais dû vérifier d'abord avant d'écraser le truc. Ça va obligatoirement servir à quelque chose, mais à quoi? Il va se passer quelque chose, peut-être que Lisa Trevor en boss va passer ici et je vais devoir lui écraser la... Enfin, c'est assez trash, mais... Des sacs de sable, ouais, ça fait militaire. Bref. Bizarre autant qu'étrange. Alors, il y a quoi ici? Qu'est-ce qui se passe? Oh merde! Ouch! Excusez-moi, Lisa Trevor, oubliez-moi! La 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 la. Hop là, vive l'esprit. Oh merde. Vache. Elle met de ses mandales, Lisa Trevor. C'est horrible. Elle a raté sa vocation, elle aurait dû jouer au baseball. Mon dieu. Ah. Ah, j'ai ma petite idée sur le devenir et de choses à faire et sur le passage. Bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bah alors, le dispositif de transport de marchandises, le mettre en marche. Oui, d'accord, et après. Bon, je pense que Lisa va pas être contente. Lisa. Ah. Bah alors. À un moment, il y avait un levier près d'elle. Oui, oui, je sais pas ce que ça fait, mais ça va faire quelque chose. Ah. Il y a quelque chose, bien sûr. Alors j'ai bien aimé l'idée de subterfuge, j'avais bien compris que ça tournait en rond, il fallait... En fait, il n'y a pas besoin d'agresser Lisa. Oh merde. Qu'est-ce qu'il a fait, ce con? Impossible de revenir en arrière. Barry, pourquoi? Merde, je reviens là où j'ai... Je suis troublé. Je suis troublé par ce... Ce coup trollesque de Barry qui se barre. Merde. C'était pas prévu au programme, ça. Comme elle a si bien dit, ben oui, pourquoi? Oui. Mais je crois que je pouvais faire le tour du truc, non?
Ah, ça marche que dans un... Ah oui. Non, bah pardon. Ah, j'ai gagné ma caisse. Il y a un gros cadeau dedans. Mais il faut casser la caisse avec le compacteur de déchets. Attention aux éclats de bois. Fais attention de pas te prendre une écharde, malheureuse. Je dis oui. Le cadeau est apprécié. Ouais. Ah merde. Il est cassé du coup. Attends, on est bien d'accord qu'il n'y avait pas d'autres pièces dans la caisse. Ouais non, c'était pas une autre pièce. Ah merde, faut réparer le... Merde. L'extrémité est cassée, impossible de l'utiliser. Alors, pour le moment... Il va falloir que je le répare. Comment vais-je pouvoir procéder ? Oh, j'avais pas vu, mais c'est des cartouches de flingue classique. Eh oui, qui brille au sol. Ah, mais oui, mais non, mais je vais pas me servir comme d'une arme du lance-flamme. Mais je vais foutre le truc sur les crochets en L que je viens d'activer, bien évidemment. Il va se produire quelque chose. Il faut juste que je jongle avec la mise de mes deux là. Lisa Trevor va me donner du grain à moudre. Mais bien sûr, suis-je bête. Ah. Oh là. Oh, pardon. Coucou, je suis là. La pauvre en éternelle souffrance. Alors par contre, j'ai pas localisé le truc en L. C'était là? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de mon coup. Je me souviens déjà plus de la pièce. C'est un truc au mur, mais je vois pas. Mais là, il n'y a plus rien à faire. Là. Merde, il était où le machin au mur? Pardon. C'était le rototo du stress. Pardon. Ah oui, oula, et oh. Bah alors. Oh, pardon, oui, mince. J'arrive pas à voir où est le... Mais si je fais pas de bruit, elle m'oublie ? Non, elle m'oublie pas, non. Elle m'oublie. Yes. Ah, le voilà le truc. Non ? Merde. Retourne. Et ben voilà. Mais c'est ça qu'il faut. Le crochet est coincé dans le trou, comme ça. Comment ça? Quoi? Une espèce de crochet mécanique, le crochet est coincé dans le trou. Oh non, c'est chronométré! Oh
Oh mon dieu, j'ai vu son regard. La pauvre chatte. Elle est vraiment hideuse. Elle est où? Ouh. Ah. Oublie-moi, Lisa. Je t'en veux pas, Lisa. Oublie-moi. La pauvre. Ah, c'est terrible, hein, la tragédie de la fille de l'architecte. Hein, je suis où, là? Ah, je voyais même plus où était... Oh! Mon Dieu! Mais c'est des poupées! Oh non! On est dans ses appartements! Elles sont toutes vieilles et usées. On est dans la chambre de Lisa Trevor. Ouais, il n'y a pas de flamme, mais elle a été utilisée, là. Alors, en fait, Lisa Trevor... Alors, attention, je vais vous divulguer le scénario, enfin, dans la saga. Lisa Trevor, c'est la fille de l'architecte qui a construit le manoir avec tous les secrets, tous les pièges. Et évidemment, les grands méchants qui ont commandé le manoir là, pour leurs prototypes et leurs études d'armes bactériologiques et biologiques. Oh, bonne mère! Alors ça, par contre, c'est tout nouveau. Il n'y avait pas, hein, dans le... Oh, quelle horreur! Quelques photos d'une jeune fille aux différentes périodes de son enfance. Ouais, c'est l'enfance de Lisa Trevor. Bref, l'architecte s'est fait piéger. Il s'est fait emmurer. Il s'est fait avoir à son propre piège. C'était prévu par les grands méchants. C'est un moment où j'avais lu la semaine dernière son journal du malheureux. Là, il y avait la tombe à son nom qui était prête. Et, bref, il est mort comme un caca. Alors sa femme, je ne sais plus ce qu'il est devenu d'elle, mais elle a dû servir en fait de cobaye pour les expériences, elle a dû être transformée en je ne sais pas quel monstre. Par contre, la fille de l'architecte Lisa Trevor, elle a servi également de cobaye, on voit, hein, elle est horriblement monstrueuse. Mais ce qui est terrible dans le cas de Lisa Trevor, c'est qu'elle a des souvenirs partiels de sa vie d'humaine et elle était très dépendante et attachée de ses parents. Si j'ai bien compris, elle était pas autiste, mais elle était, on va dire, diminuée, on va dire, d'un point de vue intellectuel. Mais ça l'a un peu sauvée, elle a pu garder de son humanité quand elle a été transformée en tant que cobaye. Et le cas de Lisa Trevor, il se trouve qu'elle est, d'une certaine manière, un prototype parfait, dans le sens qu'elle est quasiment immortelle. Elle est char d'assaut sur pattes, elle résiste à tout. Et je crois savoir comment elle va finir, et c'est pas beau. C'est pas beau. Le lit est encore chaud. Oh, mon Dieu. Dans sa forme monstrueuse, elle dort encore dans son lit. Alors qu'elle a été persécutée, elle a servi de cobaye, quoi. Ouais, on va prendre la boîte des bijoux de la pauvre Lisa. Ah, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Ah non, il n'y avait pas d'énigme. Octogone de pierre. Alors, une photo de famille accompagnée de quelques notes. Bah, les parents de... Voilà, les Trevor. Les Trevor. Il y a quelque chose écrit au dos. Virus progenitor administré en 67. Jessica, virus administré type A. Jessica, bah c'est la mère. Jessica Trevor. Virus administré de type A. Plasmolyse de tissu lors de l'activation cellulaire. Fusion du virus négative. Action destruction du corps. C'est horrible. En fait, alors. Enfin, elle est. Voilà. Jessica Trevor a été un échec des expériences. Ouais, elle est morte. Alors que Lisa, voilà, virus administré type B. Plasmolyse des tissus lors de l'activation cellulaire, fusion du virus positif mais retardée, modification corporelle, résultat constant observé. Ouais. État toujours sous opération pour protection. Et Georges, bah, euthanasié,
C'est horrible, l'architecte qui a vu sa propre... Alors euthanasié, oui et non. En fait, ils l'ont laissé crever et emmurer. Alors qu'il avait bâti, il avait les plans du manoir, mais il s'est fait avoir à son piège, comme il le dit dans son journal. Quelqu'un a laissé un journal. 14 novembre 67, la piqûre que qu'on m'a faite me donne des vertiges. Je ne vois plus maman. Où l'ont-ils emmenée? Elle avait promis qu'on s'échapperait ensemble. M'a-t-elle abandonnée? J'ai retrouvé maman, nous avons dîné ensemble, j'étais très heureuse. Mais ce n'était pas elle, ce n'était pas ma vraie maman, le même visage mais différent à l'intérieur. Je dois la retrouver, je dois lui rendre son visage. J'ai repris le visage de maman, personne ne peut avoir ma maman sauf moi. J'ai mis son visage sur moi pour qu'elle ne s'en aille pas. Ah mon Dieu, elle a arraché le visage de sa maman sur sa dépouille pour le... Oh. Pour qu'elle ne s'en aille pas, parce que maman triste si je la retrouve sans son visage. Oh, quelle horreur. Dans la boîte, odeur de maman, vraie mère peut-être ici, cube en pierre dure fait mal. Cube en pierre dure fait mal. Cube en pierre dure fait mal. Câble d'acier qui bloque. Ah, c'est le boulet qu'ils ont attaché au pied pour pas qu'elle se barre, qu'elle puisse pas courir. C'est abominable. Pas voir maman à cause de quatre pierres. Ah. Oui, une photo de famille, la mère et la famille ont l'air très proches. La mère et la fille sont très proches. Ouais, non, c'est horrible. Hein, on va pas se cacher. C'est la première fois. Je savais que ça existait, les quartiers privés de Lisa Trevor, mais... Voilà, je les découvre avec effroi. Alors ça, c'est pour me barrer, mais à l'opposé, j'avais un truc, non? Quelques vieux taux de non comptant un liquide qui semble être de l'eau. Ok, elle a sa petite réserve de flotte, la malheureuse. Enfin, je suis pas sûr qu'elle monte aux échelles. Mais bref. C'est horrible. Alors ça, il n'y avait pas, hein, la partie là. Il n'y avait pas ça dans le tout premier Resident Evil des années 90. Merde. Je suis tellement troublé que, vous voyez, je me dirige mal. Ça me travaille, en fait, le scénar, l'atmosphère, l'ambiance glauque. Et du coup, je remonte pas mal, là. Oh non, c'est pas vrai. Oh, je sais où je suis. Oh, quelle horreur. Voilà. Oh, merde, c'est sa maison, Lisa. Oh, la pauvre chatte. Oh, c'est abominable. C'est pas Raccoon City, c'est abominable. Ah ah, vanne de François Pérus. Il est où mon truc à fusionner? Ouais, le blanc. Oh, puis quand je vais sortir de là, je vais me coltiner le... Il y a un zombie et les corbeaux, là. Oh, quand je vais ressortir dans les bois. C'est moche à dire, mais c'est motivation zéro. Bon, elle est normale. Je sauvegarde ou... Ouais, je l'ai bien géré, Lisa Trevor. Je pense que je peux sauvegarder sans... Sans honte. Ouais. Oui, je mérite de sauvegarder. Alors, je suis un peu déçu, comme vous le savez, avec Tarantula et les balles de Magnum perdues. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je pense que je vais pas être trop sanctionné et qu'il y a de la marge.
Sinon, après, au pire, au final, ça fera plus de suspense, je me carapate. Hein. Y a un ennemi sur deux, on peut esquiver et se barrer sans être contraint de neutraliser et digouiller. Mais terrible. 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 Ah, ce joli feu de cheminée. C'est ici qu'elle se réchauffe, la pauvre Lisa. Ah là là, la malheureuse. La malheureuse. Ah là là, c'est 100% drama. Merde, je vais avoir le zombie de mes deux qui va me pourrir la vie. En plus, je vais même pas là où il faut aller. Non, je t'ai entendu, zombie. Je peux esquiver, zombie, ou pas? Attends, mais je tourne en rond, là, non? Ah! J'ai pas tout compris, mais... Alors, il est comment, le zombie? Il est classique ou il est vénère, cramoisi, là? Il va se tenir tranquille un moment. On va dire ça comme ça. Ah, après les corbeaux, je les sens pas. Les corbeaux, je sais plus. Est-ce que j'ai fait le... Oui, j'ai eu le magnum que j'ai en main d'ailleurs dans le cimetière là où j'arrive. Non, il n'y a plus rien à faire dans le cimetière, enfin, je crois pas. Oh non, ils m'ont mis un zombie. Il n'y a pas de zombies normalement. Oh là là. Ah, il y a peut-être... Il y a des corbeaux, il n'y a plus de corbeaux. De toute façon, je ne fais que passer. Oubliez-moi. La 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 la. Très bien, je trouve que c'est le mécanisme, l'idée de revenir sur ses pas, enfin de bien voyager dans tous les couloirs, c'est très bien. C'est excellemment bien pensé, j'adore. Alors attends, j'ai récupéré une clé hexagonale, mais je m'en sers où? Parce que je m'en souviens plus. Ouais, la créature enchaînée, oui. Tu m'as beaucoup déçu, Barry. Tu as fait des choses interdites, Barry. Non, attends, il faut que j'aille sur le petit ascenseur de côté, là. Voilà. Avant de me faire avoir grossièrement, il me reste 3 balles magnum et 7 de fusil. Faut que je sois conscient du nombre de balles que j'utilise. C'est dommage que je me trouve en clic-clic. Oh, ça marche plus. Faut que je retourne dans le... Pas dans le manoir, évidemment, mais dans la cabane derrière, je crois. Enfin, je crois. Je suis plus sûr de rien, en fait. Je me souviens plus.
Non, c'est pas ça. Ah ! Ah ! Mais qui est con ! Ah oui, il m'a fait mal, forcément. Bah oui. Merde, je sais plus. Voilà, au moins, quand la tête gicle, c'est... je suis débarrassé. Vieille bibliothèque, bien sûr, des bibliothèques de philosophie. À vrai dire, je sais plus où est-ce qu'il faut que j'aille. Bon, je pense pas que j'ai un cadeau qui m'attend dans la salle de bain. Je me souviens que c'était une salle de bain. Non, il n'y a plus rien. Miroir parfaitement poli, ouais, non, on s'en moque. Je... Honnêtement, je dois reconnaître que je sais plus ce que je dois faire. Mais non, là, c'est l'arène de combat avec la grosse plante. Il n'y a plus rien. Ah non, c'est l'araignée. Mais non, mais il n'y a plus rien. Hein. Le truc de salle bancaire, c'est fini, ça. Le code, je l'ai pour tuer la plante. C'est bon, ça, c'est fait. Merde, non, là, on s'en moque de la caisse. Oui, non, les trous, on peut ignorer. On peut ignorer. Merde. Alors, je dois avouer que... Ah, c'est peut-être parce que j'ai pas fait la scène avec Enrico, en fait. Non. Mais non. Mais non, j'ai l'autre manivelle. Oh, je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Au moins, on revisite les... Hein, comme c'est beau. Là, normalement, c'était la reine de boss avec la plante. Mais on va voir que c'est une belle pièce pour festoyer. C'est un salon magnifique. Alors, sans fenêtre. Mais c'est un salon magnifique sur double étage. Là, il y avait la fameuse clé, justement, du manoir. Celle qui nous manquait. La clé prout-prout, là, la clé casque. Oh, la vache. Oh là 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 là. Même ça qui s'est brisé. Wow. J'ai stylé. Bon, j'ai pas d'intérêt à faire le tour, non, je crois pas. Et là, elle saute. Ah. Ouais, non, y a plus rien. Y a plus rien, c'est foutu. Poil au U. Tic, 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 tic. Et là, c'est fermé, ouais. C'était à sens unique. Je m'étais bien fait avoir, hein. Ça a été clippé la fois où je me suis fait avoir par la porte à sens unique que j'avais dit, si je sens le danger, je fais demi-tour immédiat. Et puis, quoi ? La porte est verrouillée ? Ouais, c'était avec la chambre numéro 3. Là, le truc de la... Enfin, du nid de guêpe, le mec qui est mort. Non, mais il n'y a plus rien à faire. Il y a la partie avec labo. Ouais, ça c'était la salle codée avec les produits chimiques, justement pour refaire le J-Volt, qui est la solution chimique qui tue enfin qui affaiblit très fortement la plante boss. Et voilà. Oui, bah là, ça va être la partie labo avec l'échelle, voilà. Mais dans les labos, là, il n'y a plus rien. Il y a le grand squale, le grand requin Neptune qui n'est plus. Il
Il n'y a plus d'eau du tout, il n'y a plus moyen de passer. Qu'est-ce qui a échappé à mon... Parce qu'on est d'accord, j'ai la pièce hexagonale là que j'ai impliquée, emboîtée après la rencontre avec Lisa Trevor, enfin du moins dans ses quartiers privés. Mais je me souviens pas de où est-ce qu'on peut mettre cette cette clé qui dit pas son nom en fait. Là, on entend le un des gros squales qui gesticule encore. Voilà. Non, même pas. Non, bah non, ça peut pas être ça. C'est pas possible. Bah, j'ai envie de dire, il est plus vif qu'à mort. Hein. Non, bah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je pense que j'aurais jamais dû revenir dans la cabane, en fait. Et ça se passe au manoir, mais où dans le manoir? Ça se passe où dans le manoir, cette histoire de... Ouais, parce qu'à part ça, je vois pas... Là, c'est le local technique d'observation des prototypes aquatiques. Mais... Ouais, je peux retourner dans la pièce où il y avait le, en partie les racines de la plante. Ah oui, il y a celui-là aussi. Où est-ce qu'il y a un truc hexagonal que j'aurais zappé? Je vois pas du tout où c'est. Non, bah non, c'était l'ancienne salle de contrôle, mais tout est pété par la plante. Puisqu'il y avait ses racines. Non, c'est pas ici. À force de tourner en rond, je serais bien pas retrouvé là où je dois aller. C'est pas comme s'il y avait 150 pièces dans le jeu, mais... Faisons honneur à ce jeu et ses décors magnifiques. Son ambiance superbement travaillée. Mais... Non, mais je peux pas revenir en arrière, moi. Il y a une sécurité... Bah oui, non, mais je vais être coincé. Je vais être coincé, puisqu'il y a plus d'eau, je peux plus passer. Elle va me dire, c'est un puits sans fond, je peux pas passer. Alors qu'avant, il y avait la flotte, et il y avait les caisses qui flottaient. Ça faisait un pont. C'est beau, alors l'effet de lumière est magnifique. Voilà, là, elle va me dire, je suis coincé. Il n'y a plus d'eau du tout, il n'y a plus moyen de passer. Voilà. Je l'ai dans le cululu. Et ben comme dirait Séraphin Lampion, l'assureur dans Tintin et Milou, là, c'est plus fort que du Roquefort. C'est plus fort que du Roquefort. Merde! Bon, bah le temps de nous promener, j'essaye de faire travailler ma mémoire. J'essaye de repasser en vue les différentes pièces du manoir, mais... Où est-ce que j'ai un présentoir hexagonal? Ou alors c'est dans la pièce où j'ai zappé Enrico. Mais... Oui, non, ça c'était le... Le coup de la pression où j'ai eu chaud, d'ailleurs, ça s'est joué à une seconde près. Ça a failli mal tourner, mon histoire. Tiens, j'ai envie de faire une pub à quelqu'un. Allez. Là, tant que j'y pense, ça va être Torota. Tant tout à l'heure, avant le tableau mystère... Symboliquement, il faudra que je mette en valeur Aerostar, mais je pense que honnêtement tout le monde te connaît, Aero. Ah, peut-être que tu connais pas, je sais plus, Nicopols. Peut-être.
Mais si c'est des chaînes, je vous invite vraiment à vous y intéresser. Pourquoi je suis revenu là, moi? Parce que je suis un abruti fini, tout simplement. Et que je me suis encore gouré de corps. Ah, vous vous connaissez, d'accord. Ok, Nicopol, c'est d'accord, ok. Donc du coup, là, l'idée de te faire de la pub serait pas pertinent à ce moment-là. Merci de la précision. Ok, 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 ok. D'accord, merci Nicopols pour la réponse. Il y a quelqu'un que j'aimerais bien vous présenter si l'intéressé est encore connecté quand je rendrai mon antenne dans une grosse demi-heure. Après le tableau mystère. Je sais pas si l'antenne va être ouverte. Parce que j'ai vu son démarrage de chaîne à 13h et je sais pas si elle va aller au-delà de 20h. Et bref. Sinon c'est pas grave, j'aurai d'autres occasions. Mais c'est une belle découverte pour ma part sur Twitch que j'ai faite il y a 15 jours à peine. Est-ce que je peux que tu retournes au manoir avec encéphalogramme plat pour moi? Ou alors c'est là où il y avait Enrico dans où j'ai merdé, mais il est où le truc hexagonal? Pardon, pardon. Où j'ai tué le serpent tout à l'heure. Je peux pas avoir une indication au niveau de la carte, je pense pas. Peut-être ouais, peut-être qu'au niveau de la, voilà, tout va jouer ici en fait, c'est la grande intersection entre tout. C'est la grande intersection entre tout. Alors, la B2, il me dit que j'ai zappé un truc. Ah, là où on sauvegarde, j'ai zappé un truc. Ouais. Et le manoir? Ah! La résidence, il me dit que j'ai pas tout pris. Alors qu'on est passé à côté de la pièce. Bah ça, pour une surprise, c'en est une. C'en est une, pardon. Même le... Ah ouais, même le là où il y a le cimetière à l'arrière, il me dit que j'ai pas tout pris non plus. Ah, y a pas un truc dans le cimetière derrière le manoir? J'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Attendez. Oui, donc la porte de la bibliothèque est condamnée, ça j'ai bien compris. On va retourner au manoir. On va retourner au manoir. L'arrière où il y a le cimetière. Tu as un détail sur la carte que tu ne vois pas. Ah merde, j'avais la réponse et je l'ai pas vue. Ah. J'ai pas su lire la carte ou je l'ai lu trop vite. Je conçois. Pourquoi il me dit que c'est verrouillé? Je
Je gamberge. Attends. C'est vrai qu'il y avait une pièce sous le grand escalier de l'entrée. C'est vrai qu'il y avait une pièce bizarre. Ah oui, bon app. Oui, peut-être à plus tard. Bon app, Nico. Merci Nico Box. Merci d'avoir été là. Ouais. Ah ouais, merde, j'allais dire te redresser en retrait. Te déclarer en retrait, oui. Oh mais merde, elle veut plus descendre. Mais non, mais je vais me faire... Ah mais non, mais il y a l'eau. Mais que je suis con. Mais je suis con. Je suis un abruti. Mais bien sûr, je peux pas passer par là, il y a l'eau. Je dis, mais c'est bizarre, elle descend pas à l'échelle. Tu m'étonnes qu'elle descend pas à l'échelle. Je suis nul. Nunuche. Je suis passé là où il fallait pas passer. Oui, bah il y a poison, oui, il y en a pas beaucoup, je sais, oui, merci. Mais je mérite de quick. Je mérite que le grand quick me couac. C'est ça. Que le grand quick me couac. Ah, bonsoir, monsieur Sokra. Pardon, j'espère que je prononce bien. J'espère que ça va bien. Que le week-end s'est bien passé. Oui, j'ai bien prononcé. Merci. Moi, ça me rassure de me dire que j'ai pas fait de bourde. Oui, ça va, merci. C'est voilà, je vais pas tarder à arrêter. Là, on va finir dans 5 minutes sur le tableau mystère. Mon petit jeu de devinette à l'écran. La capture d'écran correspond à quel jeu vidéo? Et puis voilà, je vais rendre mon antenne. J'ai espoir... Ça pique les yeux, oui. J'ai espoir de... Faut pas que je passe par là. J'avais oublié qu'il y avait une grosse cochonnerie. Et puis c'est pas comme si elle était dans le mal. Mais non. Je suis tout proche, j'ai pas pris la bonne porte. Je suis nullissime. Ouais. Retour en 1990. Tiens, frère, je me réécoute la chanson là. En 1990, c'était la conceptualisation. Waouh. Je cherche vraiment à crever, moi. Mais. Oh, mais qu'est-ce que je. Concentration. Il me reste encore, allez, encore 5 minutes de concentration, je vais le faire. Alors que Dragon Sky adorable me fait un relais de chaîne, merci. Ah là 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 là. Ça va, ça s'est bien passé ton direct du coup, Dragon Sky. T'as réussi à faire ton Hogwarts Legacy. Ouais, bon app. Merci pour le chaîne. Vas-y, va te substanter, comme le dit si bien Poupon. T'as bien raison. Ouais, c'est vrai que, encore que, c'est vrai que j'ai mangé en décalé aujourd'hui. J'ai fait n'importe quoi. J'ai mangé à 14h, mon dieu. Enfin bref. Ouais, pas de soucis pour le direct. Ah, c'est bien. C'est cool.
C'est cool, c'est cool. Alors attends, on est d'accord, la carte me disait que j'ai pas tout fait. C'est un relais de chaîne. Ah, oui. Merci, j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. C'est dans ce tir que j'ai oublié de faire un truc. Alors attends, je vais attendre que ça disparaisse, l'annonce. Ah ouais. Ah, j'avais zappé des munitions de fusil, donc. Je suis content de les avoir chopés à l'aveugle. C'était peut-être ça qui clignotait sur la carte. Ah oui. Bon, bah, c'est pas perdu. C'est pas perdu, c'est pas perdu. Ah oui, il y avait quoi derrière en bas? Ça aussi, ça faisait pas partie de la version premier jus. Oh, il y en a deux à mettre. Je me demande ce que... Oh mon dieu. Mais le deuxième... Oh non, j'ai eu peur. Une fois de plus. le deuxième... Est-ce que c'est pas celui que je dois retirer du fond du jardin? On va essayer, puisque ça a la même forme. C'est peut-être ça le truc. On va essayer rapidement, et puis on fait du tableau mystère, et puis quick. Alors attends, j'ai envie d'aller vite en même temps, mais le problème c'est qu'il y a les corbeaux. Il faut pas aller vite avec les corbeaux. Si je les excite, elle va mourir dans l'atroce souffrance. Ça ferait hommage horrible à Alfred Hitchcock. Oiseau. N'ouvrez pas la cage aux oiseaux. Ces corbeaux-là sont des vilains pas beaux. Monsieur Socrate nous dit, je crois que c'est pas sur tous les Resident Evil que tu as la carte avec l'indication qu'il y a encore des choses à récupérer dans chaque zone. Ouais, ouais, ouais. Celui-là a le mérite effectivement d'avoir été bien pensé à ce niveau-là. De clignoter en disant, est-ce que t'as bien écumé les lieux ou pas? Ou rincer les lieux, si vous préférez. Dans le sens d'avoir tout ramassé. Ouais. Ça m'étonne que c'était bien. J'étais beau. Bon, comme je me suis mis dans le mal bêtement avec les vipères, que j'ai merdé, c'est pas grave, je le referai la prochaine fois, mais... Mais... Ouais. Je pense que c'est ça. Donc du coup, je verrouille la sortie arrière, mais j'ai plus d'intérêt à y être. Donc, ils auraient dû le garder, ouais. C'est vrai que c'était un truc qui était que je valide à 100%. Ouais. Oui, bah je peux pas faire plus rapide en passant par les corbeaux, en fait. Mon idée, elle est bonne. Ne pas courir. Ne pas mélanger vitesse et précipitation. Alors, est-ce que ce serait la rencontre finale contre Lisa Trevor en bas ? Ça se tient. Je vois pas trop comment serait le lien d'un point de vue architectural, mais on entend gémir, donc c'est ça doit être Lisa Trevor, c'est pas possible. Une fois de plus. Mais quel est le lien entre ce souterrain, cette partie de sous-sol du manoir, et comment on pourrait faire la jonction avec la cave c'est dingue. C'est une nouvelle ramification. Architecturalement parlant, si je puis dire. Alors, est-ce que mon intuition était la bonne?
ton intuition était la bonne. Je crois que les portes des enfers s'ouvrent à moi. D'ailleurs, un petit Cerbère devrait m'accueillir. Les deux, symboliquement. Les deux emblèmes s'emboîtent parfaitement dans la porte. L'ouvrir. Mais oui, soyons maso. Allons mourir. Nous faire... N'y va pas sans soin. Je me vois pas aller au-delà. Ouais, non mais... C'est pas grave, je la referai. J'ai merdé ma... Ah bah tiens, il y a une machine à écran. Oh, une machine à écran. Elle est devant moi, machine à écran, ça s'appelle un ordi. Non mais je la referai parce que j'ai merdé. J'ai merdé très bêtement. En plus, tu vois, il y a une malle. Alors... On va voir. Mais j'ai vraiment merdé bêtement le... La phase... On va voir le... On va voir. Allez, je vous laisse un... Allez, 50-50, je vais pas être vilain. On va prendre le lance-grenade. Allez, on va prendre la totale, c'est la guerre. Rambo. Elle va faire son Rambo, ouais. Allez, qu'on s'amuse. Allez, viens me faire un bisou, Lisa Trevor. Eh, ah oui, non mais, eh, c'est ça, hein. C'est le 66e sous-sol, bienvenue en enfer. Alors c'est quoi cette ramification de mes deux? Ça mène à où? On voit qu'on revient dans l'ambiance de la grotte, de la cave. Ça qui est dingue. Oui, oui, la malle est cool. Qu'est-ce que c'est? Mais je suis où? C'est du délire. Jill, you're alive. I was worried because I thought you were. Start talking. Calm down. I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Don't lie to me. Oh merde. Ah oui, quelle horreur. Mais oui, elle a arraché. Mon Dieu, elle a la peau de sa mère par-dessus elle. Oh, c'est intéressant comme choix. Ouais, je vais te lâcher. Thanks, Jill. Ah, les quatre pierres, c'est ça qu'elle aime pas. Un message a été gravé sur le sarcophage. Lorsque le maléfice des chaînes sera rompu, le chemin de la vérité apparaîtra. Ah, il faut la provoquer pour qu'elle pète les trucs. Voilà. Allez, suivant. C'est en fait, c'est de l'esquive. Merde, loupé. C'est pas forcément une bonne idée de tirer dessus. Ah, je peux pousser moi? J'ai laissé tomber. C'est pas grave. Bon, je savais même pas que c'est possible. C'est pas grave, on fera ça la semaine prochaine ou dans 15 jours. C'est rigolo, je m'attendais pas à un tel final aussi horrible. Elle a touché le fond. C'était rigolo. Aïe, 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 aïe. C'est horrible, c'est abominable. Mais non, c'est un Raccoon City. Allez-y. Enfin, au moins, on est... Exactement, on est pas à Raccoon City, ou au moins en périphérie, puisqu'on est dans le scénario, on est dans la forêt Arxley. Qui est sur les hauteurs de la ville. Je sais plus combien de kilomètres. Il y a 3-4 kilomètres, je crois, entre le manoir, la forêt et la ville. Enfin, bref. Tableau Missitir. L'Itéblou Missitir. Il arrive. Je sais, vous.